Salut, c'est Zany et rendez-vous pour la suite de Song of Horror épisode 4. Donc, je suis ce soir avec Steph qui est à côté de moi, qui veut pas se montrer à la cam comme d'hab. Et c'est parti, on y va, pas de blabla. Faut juste que je me remette bien les touches en tête. Pour pas ouvrir des portes par mégarde. Donc, de mémoire, j'étais arrivée à l'entrée du cimetière. Voilà. Donc j'avais beaucoup d'objets, encore pas mal d'énigmes à résoudre. Et surtout, bah, j'étais devant le cimetière. Donc on va commencer par aller faire un tour du cimetière. J'ai réfléchi un petit peu, puis avec Steph aussi, on a réfléchi un petit peu. Moi, il y a un truc qui fait sens, c'est que je pense que si j'ai une pelle, ça va être pour creuser dans le cimetière. Parce qu'on nous a dit dans une note qu'il y avait une clé cachée dans un sarcophage. Donc ça se trouve, la clé, elle est cachée dans un sarcophage, dans la terre, dans le cimetière. Donc je me dis que la pelle, elle va nous servir peut-être à ça. Et j'ai quelques autres idées. Par contre, j'ai réfléchi à l'énigme avec les plantes. Et je pense vraiment qu'il nous faut une information, un document qu'on va peut-être trouver plus tard, qui va nous expliquer quelle recette on doit faire, parce que là, je ne sais pas du tout quelle recette on doit faire. Alors par contre, c'est en train de charger, hein, je ne sais pas pourquoi c'est aussi long. J'avais plus le chat. Hop. Voilà. Très très long à charger. En plus, ça fait ramer le live. C'est jamais aussi long, hein, d'habitude. Hein. Même le premier changement. Ah, alors, même le premier chargement, c'est jamais aussi long. Tout, 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 tout. Moi, là, j'ai un gros doute. Eh, confiance. Non. Ça me semble pas du tout normal. Je vais relancer le jeu. Fermer la fenêtre et je relance. J'ai regardé un petit peu, l'erreur est survenue. Ok. Ah bah ouais, t'avais raison alors. J'ai regardé un petit peu les forums et il y a quelques personnes qui ont des bugs de ouf, hein, sur ce jeu. Moi, je trouve que j'ai quand même la chance, j'ai rencontré aucun bug avec le jeu. Depuis le premier épisode, aucun bug. Mais il y a des gens, ils disent que il y a des maps qui... Il manque des textures. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre comme type de bug? J'ai vu des bugs de type... Des documents manquants ou des choses comme ça. Des énigmes aussi buggées pour certains. Allez. J'espère juste que du coup, je croise les doigts que ma partie soit pas buggée à l'entrée de ce cimetière. Non, déjà, la note de chargement, là, elle est arrêtée. Donc l'ordinateur, il travaille. Tout à l'heure, il travaillait même pas l'ordinateur, je pense. Je suis pas rassurée du tout, hein. Parce que j'ai peur de devoir carrément rebooter l'ordinateur, non? Ah, c'est reparti. Ça va, la note se remet à clignoter. J'entends l'ordinateur travailler, hein. Donc tant que je vois qu'il y a de la vie sur le chargement et que j'entends l'ordinateur travailler. Là par exemple j'entends plus. Si j'entends. Oh là Va falloir patienter. là. Mais il sera bien mérité ce live. Ça, c'est les aléas des lives. Hein.
Avant-hier, j'ai joué, j'avais aucun souci. Et là, on a presque. On a, en fait, je suis même presque en train de me demander s'il n'est pas en train de faire une mise à jour. À entendre le disque dur gratter comme ça, je trouve ça super bizarre. Ah! Alors, comme je suis obligée de jouer en haut-parleur, puisqu'il y a Stéphane, puis qu'il profite aussi du jeu, j'ai pas mis le casque, du coup, j'ai augmenté un petit peu le son du jeu pour le live. Si jamais c'est trop fort ou pas assez, faut pas hésiter à me le dire. Ah, il faut s'y remettre, parce que faut s'y remettre. Faut se remettre dans le jus, c'est toujours comme ça, les 3 premières minutes, faut se remettre dans le jus. Donc, on a tout le cimetière là à visiter. Moi, le cimetière, il m'évoque franchement un truc où on va se faire poursuivre. La fente du truc, on va se faire poursuivre, on va devoir tourner en rond ou quelque chose du genre, je sais pas. Mais je suis pas fan. Là, on peut aller à droite et puis on peut aller à gauche. Voilà. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des escaliers là-bas, il y a sûrement quelque chose en haut, là-bas. Tout au nord. Salut, Agent Reyes, tu es revenu pour la suite. Alors si jamais le son est trop fort ou pas assez, tu me dis, t'hésites pas. Je suis en train de faire un petit récap pour me remettre le jeu en tête. On a réfléchi aussi au puits là, dans l'ancien cloître. On pense vraiment qu'il faut y larguer la lanterne que j'ai pour pouvoir voir au fond du puits, il y a peut-être quelque chose. Ah, cool pour le son. Enfin, pour le moment, il n'y a pas encore eu de cri ou quoi. Tu me diras si c'est trop fort quand ça se met à crier. Donc le puits, je pense vraiment, avec Stéphane, on pense vraiment qu'il faut mettre la lanterne pour éclairer au fond du puits et il y a peut-être quelque chose à attraper au fond du puits. Parce que j'ai une lanterne, je sais toujours pas quoi en faire. Le four, c'est un mystère, ce qui est tout en bas. J'ai aussi la trappe. Là, la trappe, moi, j'aurais eu envie de mettre l'écarteur, justement, sauf qu'il est cassé. Donc il faut que je vois si j'ai pas moyen de réparer l'écarteur, sachant que j'ai un sécateur et que peut-être on peut bidouiller un truc, j'en sais rien, les persos, des fois, ils font des choses. Et donc ici, j'ai toujours le puzzle avec les plantes, et moi, c'est cette énigme-là, avec les plantes, qui m'ennuie le plus. Mais on va continuer à se balader, et peut-être que dans le cimetière, on trouvera une recette pour nous dire ce qu'on doit faire avec les plantes, hein. Voilà pour la map. Peut-être une clé au fond du puits. Moi, je me dis ça. Je me dis qu'en éclairant le puits, peut-être qu'on pourra justement, avec cette échelle où on ne veut pas descendre parce qu'il fait noir, qu'on pourra à ce moment-là descendre au fond du puits et récupérer quelque chose. Au niveau des objets que j'ai, donc j'ai la caféine de graisse, ça, ok. J'ai toujours ce sécateur. J'ai une première clé des. Il nous faut 4 clés, hein, ça, on l'a compris. Dans ce qu'on a lu sur les notes, il faut 4 clés. C'est la fin de l'épisode, il faut les 4 clés. On a toujours un sécateur, on a toujours ces plantes, je ne sais pas à quoi elles servent. Peut-être à mettre sur une tombe pour apaiser un esprit, je ne sais pas. Donc l'appel creusée dans le cimetière, moi ça m'a fait tilt, je sais plus, hier, je crois, avant-hier. Tu dis une pelle, c'est parfait pour creuser dans les cimetières. Bon, parfait. Faut avoir un petit peu les idées tordues quand même. Ça, c'est l'écarteur qui est cassé. On va voir si on peut pas justement le combiner avec autre chose. Ça, c'est pour activer le four, mais je ne sais pas ce qu'il faut faire cuire au four. Et donc j'ai ma torchounette, ma lampounette là. Et pourtant il me semblait avoir essayé déjà de la mettre dans le seau sans y réussir. Mais peut-être que. Tiens. Ah ouais, nickel. Il fallait l'inspecter pour l'allumer. Et ça va peut-être marcher maintenant. Pourquoi j'ai eu aussi l'idée de ça? D'ailleurs, je vais le faire avec tous mes objets. C'est que dans l'épisode 2 de Song of Horror, j'avais bloqué à un moment donné, tout simplement parce que j'avais pas regardé dans le détail un objet. Il fallait l'utiliser pour décrocher un truc derrière la carte magnétique. Donc ça, on essaiera peut-être plus tard. Alors je vais pas aller au puits tout de suite, hein. On est devant le cimetière, on va aller visiter le cimetière. Moins on prend de risques en se baladant, moins on rencontre l'entité. Donc ça, c'est une première chose. Je vais continuer à regarder mes objets. Alors les clés, je pense que ça sert à rien. Le sécateur. Façon, on va tout faire. Hein. L'objectif, c'est de finir le jeu ce soir. J'ai vu qu'il y a des gens qui le font
qu'ils l'ont fait en 2 heures, mais parce qu'ils le connaissaient déjà. Bon, ça, je peux rien rouiller, mais ça marche. Tant que je me coupe pas, on est bon. Ça, ils sont magnifiques, je peux rien en faire. L'appel, je peux pas l'activer non plus. Ça, il est cassé, à moins que je répare, ok. Ça, ok. Et donc la loupiote, je l'ai allumée. Maintenant, on va essayer de combiner ça, j'avais dit, avec le sécateur. Non, aucune logique. Je suis surprise que le sécateur, j'ai pu le récupérer alors que j'avais utilisé les plantes déjà. Il y a quelque chose qui cloche. Ok, bon, il n'y a pas grand chose à faire là. Allez, on y va dans le cimetière. Droite ou gauche? Enfin, en face ou à droite? La pince, le sécateur, c'était pour couper les fleurs, mais je l'ai déjà fait. Et j'ai quand même pu récupérer le sécateur. Un autre truc auquel il faut penser, c'est que j'ai un objet à récupérer, que j'ai pas récupéré, qui doit être dans la toute petite pièce qui est en bas, dans le sud, là. Allez, on y va. On va dire en face. Lumière, please. Hop. Je le sens pas, ce cimetière. Ah ben... Hé, hey, salut Chigo. Je suis désolée, du coup, j'ai été tout droit. De toute façon, on va tout visiter, hein. On va tout visiter. Là, c'est fermé, visiblement. Ah, ça tremble. Elle a eu peur. Elle a peur. Elle a peut-être vu un truc. Alors ça... Mon Dieu, j'aurais aimé ne pas devoir faire ça. Mais je crois que je peux ouvrir ce couvercle avec une pelle. Ok, donc on va peut-être pas creuser. Ah, ok. Donc on creuse pas. On creuse pas, on pousse les couvercles des sarcophages. Il n'y a rien d'autre ici que des restes humains. Dommage. J'aurais bien aimé avoir une clé. Il y a quelque chose là. Hein. Il y a une porte. Dans le recoin, là, il y a comme un caveau ou une église. Ouais, mais là, il y avait... Ouais, t'as raison, des fois, le chemin le plus court, c'est pas le meilleur. Je suis sûre que la clé fonctionnerait bien si la serrure n'était pas recouverte de rouille. Alors moi, j'ai plus de clé sur moi, hein. À part la clé de fin de jeu, là, où il en faut 4. J'ai plus de clé, hein. On va regarder un petit renfoncement, là. Oh, c'est dur. Hein. Ok, c'est pas là non plus. Je suis pas rassurée. Ça s'ouvre, ça? Ok, les caveaux ne s'ouvrent pas. Elle est bourrée. On peut regarder là, c'est quoi? Des branches bloquent l'entrée de la crypte. Je peux pas utiliser. Je peux rien utiliser. Non, je peux pas. Je peux regarder la statue. Hein. Ses yeux sont voilés. Je ne peux pas dire que je voudrais voir ce qui s'est passé ici. Mais dans l'ambiance. Hein. Bon, on a fait ça, on est bloqué sur la gauche, donc on va aller sur la droite. Enfin, c'est une façon de parler sur la map. Hein. Parce qu'avec ces plans de caméra... Oh, j'ai cru... Oh, j'ai cru qu'il y avait un truc, là. Quand c'est apparu, c'est la statue. Elle me rassure pas du tout, la statue. C'est la mort. Oh, oh, oh. Faut qu'ils arrêtent de me faire apparaître des trucs comme ça sur la gauche. Qu'est-ce que tu montres, toi? Il montre un truc. Elle montre un truc, la statue. Rien du tout. Je sais pas vous, mais je suis pas rassurée dans ce cimetière. Ouais, c'est super rassurant, les statues. Hein. Je vais lever un peu ma torche.
Alors du coup, là, on revient un peu au début, parce qu'il y a l'autre passage. Ah mais on va ouvrir toutes les tombes. J'ai peur qu'il y ait une entité dans une tombe à un moment donné et que Grace elle se fasse avaler. Ça s'ouvre pas. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un mais c'est une charrette. Faut que j'arrête, je suis déjà complètement flippée. Si je viens de relancer le jeu, je suis complètement flippée. Il y a une petite entrée là, un caveau qui est ouvert. Mais on peut pas passer, la porte est bloquée. Ok, donc le seul choix que j'ai, c'est d'aller en face. Hein, c'est d'aller en face. Bon, j'y vais cool, hein, comme d'hab. Je m'énerve pas. Je sens qu'on va avoir des trucs passés au bout des couloirs, enfin des allées. Ah ouais, non, mais il faut que j'arrête de psychoter, c'est clair. Donc on peut passer par là, c'est ouvert. Mais... toujours ces statues. On va faire toutes les tombes. Ça se trouve, la clé, elle est dans une tombe aléatoirement. Ah, il y a un caveau dans lequel on peut entrer, là. Je doute que la crypte soit ouverte. Ok. On peut passer par là, et ensuite tout droit ou droite. Ah, c'est fermé aussi, en face. Donc visiblement, ça se trouve, la clé, elle est derrière les grilles. Hein. On va aller voir si c'est pas ouvert quand même. J'ai vraiment peur de les ouvrir, ces tombes. On connaît ce jeu, on sait qu'il est fourbe. Ça se trouve, sur une tombe, va y avoir une entité qui va m'attraper, quoi. Rassurer avec ce truc là, non, c'est bon. Allez Grace, ouvre ta tombe. Bah ouais, quoi, ce que Chigo, tu dis la même chose que moi, quoi, qu'il n'y ait pas une tombe qui soit piégée. Plus t'en ouvres, plus tu prends de risques. Ok, celle-ci aussi elle est fermée. Moi, je pense que c'est derrière ces grilles que tout va se passer. Donc, faut qu'on se demande comment on ouvre des grilles rouillées. Je vais regarder la statue si tu veux, mais... Marc, t'as raison, parce que des fois, ils vont nous avoir caché un truc dessus. Celle-ci. Ces statues sont très communes dans les cimetières chrétiens. Elles sont incroyablement tristes. Allez, on va voir par là. C'est ouvert. Comme vous voyez, j'y vais doucement. Ouh. Ça fait un petit peu peur, ces statues-là. Statue de moine. Je n'aime pas l'apparence de ces statues. On dirait qu'elles me détestent. Moi non plus. J'aime pas l'apparence de ces statues. Bon, on va monter. Je sais pas où on atterrit, par contre. On dirait qu'il y a un caveau. Ok, faisons le point. C'est un caveau, c'est un grand caveau. Il y a une porte. En face de moi, mais visiblement je peux pas aller ni à droite ni à gauche. On va quand même regarder par là s'il n'y a pas quelque chose. Des scies, des couteaux, des haches. Rien que je puisse récupérer. Alors je vais être obligée de vraiment tendre l'oreille parce que je suis pas au casque.
Ça a l'air safe. Je trouve que le jeu est intelligent parce qu'il coupe le son environnant pour te faire entendre ce qui peut éventuellement se passer. Une serrure de bronze. Il va me falloir la clé, mais j'ai déjà eu cette clé-là. Ils m'ont fait disparaître ma clé. Hey, salut Ketop, bienvenue. J'ai déjà eu la clé de bronze. Mais pourquoi je l'ai plus? C'est la clé en forme de triangle. De triangle, n'importe quoi. Si, c'est ça, de losange. Bon, ben les amis, on fait chou blanc dans le cimetière. Il me faut une clé. Et il me faut résoudre l'énigme de la grille rouillée. Eh, ça va bien, et toi? C'est toujours dur le dimanche soir de se dire qu'on rattaque une semaine, mais bon. C'est pas faux. Alors moi, ce que je propose, c'est que maintenant qu'on a une idée pour le puits, avec ce seau et cette lumière, et ben, je vais aller le faire. C'est par là. Moi aussi, j'aimerais que ce soit dimanche pour toujours. Ça serait bien quand même. On arrive le puits. C'est la porte. Ah non, c'est faut se cacher. Tu me caches dans la salle. Ouais, juste ici. Non, là. Pardon, et en plus je me fais du stress. Allez. Allez, rentre! Oh là là, elle est pas pressée. Je me concentre, respiration. Comment je gère? Ça n'est presque pas drôle. Alors c'est pas elle qui était pas rapide, c'était moi, j'ai déconné. J'ai éteint ma lumière au lieu de courir. Je commence à gérer certains QTE. On va quand même devoir se poser où est-ce que était la clé de bronze, parce que je suis convaincue que je l'ai déjà eue. Hein. Cette clé en forme de triangle. De losange. Bref, le puits est en face de nous. Et ici, je pouvais pas passer. Pourquoi elle court maintenant? Ouais, ouais, je commence à maîtriser les battements de cœur. C'est la porte qui reste compliquée pour moi. Les autres QTE, ça passe. Pour le moment. Ah, c'est ici que j'aimerais bien mettre... L'écarteur, là. Comment pourrais-je lever la trappe avec ça? Mais il est cassé. Il est cassé. Vous savez pas quoi? J'entends la musique, là. Eh ben, je vais vous dire. Je me suis pris un avertissement par YouTube. Parce qu'il y avait des droits d'auteur sur cette musique. Avec les voix. Voilà, heureusement que je suis pas monétisée, ça me passe un peu au-dessus de la tête du coup. Mais ils ont mis une musique avec des droits dans ce jeu. Résultat, tous les youtubeurs qui vont mettre ce jeu en ligne, ils vont tous se prendre des réclamations pour droits d'auteur. C'est bien joué. Surtout que t'entends quasiment rien. Ouais, en plus t'entends à peine.
On a dit ça, hein. On y va. Est-ce que c'est ça? Yes. C'est bien ça. Ah ouais? Ouais. Oh putain. On va voir ce qu'il y a au fond. Oh le mec clairvoyant, je te jure. Oh, j'ai les chaussettes qui craquent. Bon, ben on peut descendre maintenant. Parce qu'en fait, il faut y aller, hein, quand faut y aller. Il y a un truc que je voulais réessayer avant, excusez-moi. C'est, est-ce que je peux pas recouper des plantes ici? Non, ok. On y va. La fille qui gagne du temps. est-ce que j'y vais? Ben maintenant, oui. C'est pas rassurant. Allez, vas-y. J'ai pas envie de mourir. Parce qu'en plus, l'échelle, j'ai l'impression qu'elle est cassée. Regarde, elle est obligée de sauter. Non, si, elle pourrait remonter. Moi, je pourrais pas, j'ai pas de force dans les bras. Mais Grace, elle est super forte. Vous avez entendu ce cri? Moi, là, j'aime pas ce cri parce que je vois bien un monstre dans l'eau qui essaierait bien de me manger les pieds. Oh, on l'entend. Il y a un monstre là-dedans. Donc les escaliers sont pourris. J'ai une map. J'ai pas de carte. Si c'est un labyrinthe, on est mal barré. C'est grave flippant ce bruit. Hein. Il y a un monstre qui va me... Ton cri quand... Quand t'as faim, tu dois pas être très rassurante. Ou rassurant. Merde, qu'est-il arrivé à cette porte? Ok. Ok, c'est tout. Et on dirait qu'il y a un gros truc qui est passé par là, en fait. Oh, ce bruit. J'ai vraiment pas de carte. Hein. Si c'est un labyrinthe, on est mal barré. Hein. Les amis, moi je vous le dis. Alors après, il y a la technique du labyrinthe. Hein. Toujours suivre le même mur. J'ai l'impression que ça se rapproche. Donc je vais suivre... je vais systématiquement suivre le mur qui est à sa gauche, du côté de la lumière. C'est nauséabond. Parce que vous voyez, je suis déjà en train de faire des tours. Après, si on tourne en rond ici, ma technique du côté gauche ne servira à rien. Vous avez vu ces statues horribles? Ok, j'ai l'impression que je reviens sur mes pas. Si ce n'est que ici, en gros, on peut aller nulle part. Donc c'est déjà bon à savoir. C'est vrai qu'on dirait qu'il y a quelqu'un qui a très faim, quelque part. Je me demande si j'ai à manger sur moi. Et mais t'as carrément raison, parce que ce jeu, il est comme ça. Ça se trouve, il y a une rue safe, une voie safe et une voie pas safe. Ok, ça me dit juste que ça s'écroule. Donc là, j'ai fait un tour, donc ça servait à rien, la gauche. Donc on va faire la droite. J'aime pas cette caméra qui se met jamais comme je veux. Il va y avoir un truc dans l'angle là. Un truc qui va apparaître à gauche. Moi, si j'étais développeur, j'aurais fait ça. Ok, droite, 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 droite. Il ne reste plus rien de ces squelettes. Faut que ça arrête d'avoir faim.
Ça a qu'à manger des racines. Ça, je le sens pas. Parce que visiblement, la bestiole qui traîne là-dedans, elle est capable de déchirer les grilles comme ça. Il y a une porte. C'est ça qui a tous les curés. Je pense que si je développais des jeux d'horreur, je serais hyper fourbe. Mais encore pire que dans ce jeu. Ah, les racines. C'est les racines qui ont tué tout le monde. Bon, bah, on continue sur notre droite. J'ai cru que ça bougeait, c'est un caillou. C'est l'eau qui tombe, j'ai cru que ça bougeait sous l'eau. C'est grand hein, quand même. Hein. Continue à droite. Même si j'ai très envie d'aller au fond là-bas. Oh! Ils sont venus se pendre jusqu'ici. C'est toujours agréable. Je suis désolée pour mon petit cri pourri. Moi, j'aime pas trop les pendus. C'est dérangeant. Il y a un truc là-haut. Non. Je suis de moins en moins rassurée. Allez, courage. Est-ce qu'il y a quelque chose par ici? Yeah, la clé. Ça doit être... Il n'y a pas de raison que ce soit pas la clé d'ici. Il y a encore un truc au fond. Donc faut que je revienne en arrière. Parce que j'ai pas envie de trop me balader quand même, prendre trop de risques. C'est pas... Et j'aime pas du tout non plus les grilles comme ça. Je suis désolée Pépère que tu sois mort ici. Pépère. Si je me trompe pas, c'était bien par là. C'était par là. C'était si loin que ça. Chigo. L'œil. Je suis perturbée. Je suis revenue au début. Comment j'ai fait ça? Et ce qu'on n'avait pas vu tout à l'heure, c'est qu'il y a des crucifix accrochés partout, en fait. Attendez, je vais lire ce que vous me dites, parce que... Donc j'étais en train de dire Chigo, investigateur en paranormal. Il n'y a pas de rat, c'est bizarre. T'as raison, c'est ce que je pense aussi. Hein, l'entité, elle les a amenés jusqu'ici. Il y en a qui se sont suicidés partout. Ça devrait vraiment être horrible pour eux. Franchement, c'est l'entrée qui est là. Je me trompe pas. Je suis perdue, je vous le dis, je suis perdue. C'est pas l'entrée. Et là... C'était le début. Ok. Donc je vais recommencer à droite, droite, droite. On va y arriver. On en sait quelque chose que l'entité possède les gens. On a eu le retour d'un flic dans l'épisode 2. c'était ici. Le retour d'un flic qui nous a bien choqués.
Allez. Clé rouillée. C'était ça? Yes. Oh! Cinématique. C'est une espèce d'anguille. Ah, ça montre que c'est là-bas que je dois aller. Comment on va faire pour passer? Pire qu'un vampire, une boîte à musique. Ils ont l'air d'avoir très très faim. Alors je peux activer ça, mais j'ai pas envie d'ouvrir la grille qui est devant moi. Ça pue le piège. Ça pue le piège, ça pue genre je vais ouvrir la grille, je vais me faire bouffer. Alors en fait, pour t'expliquer, ça va me permettre de réfléchir. Ah, je peux pas faire de pause. Pour t'expliquer ce qui s'est passé dans l'épisode 2, c'est que ben j'ai utilisé le personnage qui était un flic, donc j'ai joué un certain temps avec lui, et puis il est mort. Voilà, comme ça arrive souvent dans le jeu. Et donc j'ai utilisé le personnage suivant, et donc je me suis baladée 3 minutes, et au détour d'un couloir, il y avait le policier qui était possédé par l'entité, qui est venu mettre une balle au nouveau personnage que je venais d'activer. Donc en 5 minutes, j'ai perdu 2 personnages. Voilà. Et le flic, au moment où il a tiré, il était là, oh non, 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 il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait à cause de l'entité, et il s'est tiré une balle dans la tête. Donc ce jeu, il est comme ça. Je peux ouvrir ça? Et c'était très violent. Les plantes ont envahi. C'était violent, c'était choquant. On s'y attendait tellement pas. Ça fait quoi, ça? Elle veut pas, ça fait rien du tout. Bon, j'ai fait le... La crypte, elle est carrée. Carrée, carrée. Je vois plein de trucs activables, mais là, c'est derrière. J'ai l'impression que j'ai pas le choix. Adieu, monde cruel. Elle ne veut pas non plus. Je peux repartir, mais je pense que c'est pas le but. Parce que c'est pas le but, parce que je peux pas revenir en arrière, je peux pas remonter. Faut appuyer longtemps sur A. Alors moi je vais vous dire ce que je pense. De ce que je vois, entre ce que j'ai là sous les yeux. Les leviers qui sont aussi derrière, parce que là on peut activer les leviers. Et la map, je pense que c'est un casse-tête qu'on a sous nos yeux. Et que peut-être il faut que j'arrive à fermer cette grille-là, par exemple. Je peux. J'ai pas un levier, là. Non. J'arrive à les attirer dans une autre partie de la crypte, derrière d'autres grilles, pour pouvoir passer derrière eux. Alors, s'il n'y a pas de petit losange blanc, je peux rien faire. Il y a encore un cadavre, là. Ah, ça, ça referme derrière moi. J'ai ouvert d'un côté, j'ai refermé de l'autre. Et ici, j'ai pas de levier. Donc tout n'a pas de levier.
de ouvrir ici. Ici. Mais exactement. Mais il faut. Il n'y a pas des barrières partout non plus. Ah bah presque fait peur cette statue là. Bon, pour le moment, je pense que je ne mets pas trop en danger en essayant tout ça. Non, 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 non. Si, en fait, je me mets en danger. J'ai failli... Ah, je crois voir ce qu'il faut faire. Chigo, t'as eu peur? T'as eu peur que je le fasse? Ça, ça fait ça. Voilà, vaut mieux refermer ça. Voilà. Ça, c'est plus intelligent déjà, non? Par contre, celle-ci, elle fait quoi? Ah, c'est la même. Mais dans l'autre sens. Donc maintenant, je peux le faire. Parce que là, je suis en sécurité, moi, si j'ouvre ici. J'ai vérifié tous les autres murs. C'est ça, hein, y a un truc comme ça. Les serpents de la muerte. Mais grave. Ah oui, je suis enfermée là par contre. Il faut que je rouvre ça. Attendez, j'ai pas refermé derrière eux, là. Par contre. Ça ouvre quoi, ça? Moi, j'allais y aller, hein, comme une couillonne, hein. Et maintenant, je peux ouvrir ça. Moi, je pense que dès qu'ils voient un bout de pied dépasser, ces machins-là, ils viennent te manger. Hein. Et puis là, ça doit être bon, du coup. Parce que j'ai bien refermé. Ils sont sécures, là, les bestioles. Hein. On est d'accord, il y a une grille, là. Ouais. Je sais pas, je viens juste de la fermer, mais je préfère quand même m'en assurer. Les serpents Alp, anguille, ouais. Ah, on a un problème, les copains. Je peux pas ouvrir celle-ci. Ok, c'est pas juste les bouger d'une case. Faut les bouger au moins de deux cases. Je peux pas ouvrir cette grille-là tant que celle qui est juste devant moi, là, dans deux secondes. Voilà, tant que celle-ci, elle est comme ça, je peux pas ouvrir l'autre. Donc, faut que je les fasse aller... Ou ici. Ou au milieu. Sachant que je peux faire ça... J'ai l'impression qu'ils s'énervent de plus en plus, les machins. Non, pas ça. Non, pas ça non plus, mais ils font les... Les deux là font la même chose. Ah, mais par contre... Par contre, je peux... Attendez, parce que si moi je m'enferme ici, en même temps que je leur ouvre, ils vont pouvoir se glisser là sans me mettre en danger. Mais après, je fais quoi? Je vois plus ce que ça fait celle-ci.
Il doit y avoir un levier là, non? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Pourquoi je peux regarder là-bas? Le mur est rempli de crânes humains. Le petit détail sympathique. Je peux les enfermer au milieu là maintenant. Mais moi je serai enfermée aussi du coup. Non, non, non. Je peux. Alors, attendez, je dans le doute, on est bien safe ici. 1, 2, 3 murs. Et la caméra ici. Ah, bouge, Grace. Ouais, je pense qu'on est bon. Il faut que je reste de ce côté-là. Ça, ça fait quoi? Ils veulent pas aller au milieu. Petit, petit, petit. Ils veulent pas aller au milieu. Ah mais non, ça marcherait pas. Ça marcherait effectivement pas. Parce que je pourrais pas passer, je serais obligée de refermer de toute façon. Je suis quand même embêtée parce que si je peux pas les... Ici je peux pas les amener. Hein. Ici il y a un mur. Donc je peux pas les amener dans cette case-là. Cette case-là, je peux pas les amener. Donc je peux les faire passer. Là, je les ai amenés sur un côté. C'est peut-être devant qu'il fallait les amener. Mais non, je peux les faire passer quoi au milieu, là? Là, je me suis enfermée, c'est malin. Je voulais essayer quand même. Tu m'étonnes, moi je serais déjà morte là. Moi je serais déjà morte si j'étais elle. Hein. Le jean mouillé, à se balader dans la flotte comme ça. La flèche qui clignote, c'est moi. C'est mon perso. Et la direction dans laquelle je regarde. Alors ça faisait quoi déjà? C'est celle-ci. Je suis quand même super triste qu'ils aient pas eu envie de venir jusqu'ici, quoi. Attendez, il faut peut-être les faire bouger de deux cases en même temps. Ouais, mais là, je suis pas safe. Donc, je peux pas faire deux cases en même temps. Si je fais ça... Non. Je suis sûre que c'est pas ça.
Mais il faudrait peut-être ouvrir celle-ci. Mais après, je serais coincée. On en revient au point de départ. Allez, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Il y a une logique dans tout ça. Le problème, c'est que j'étais convaincue de pouvoir les enfermer au milieu, mais ils veulent pas y aller. J'étais convaincue que si j'ouvrais cette grille-là, ils allaient bouger au milieu comme ils l'ont fait tout à l'heure. Et donc libérer le passage, voilà. Ici. Et ben voilà, là ça avait bugué en fait. J'avais bien essayé la même chose hein, tout à l'heure. Hein. Oh, c'est pas des anguilles. C'est des bras. On dirait qu'il y a des muscles comme des bras. C'est moche. Et donc si je le referme, ils sont enfermés au milieu, je peux... Non, pardon. C'était pas ça. Hop, ça y est. On va finir ça, on va sortir de cet endroit. Glauque. Sûrement pour aller dans un autre endroit glauque. J'avais pas fermé... Si, j'avais fermé cette grille-là tout à l'heure. J'avais fermé là tout à l'heure, c'était obligé. Je l'avais sécure le truc. Bref. Là, je pense qu'on est bon. Là, on est bon. Si c'est que j'ai encore une grille devant moi. Et peut-être un monstre. Ah, il y a un truc. Peut-être un monstre sur la gauche. C'est quoi ça? Je n'en reviens pas. Combien de personnes sont enterrées ici? Ah bah maintenant il me donne une carte. Maintenant j'ai la map du souterrain. Super sympa. Ah, on est prêt pour la suite? Parce que je me demande où on atterrit, parce que j'ai rien vu sur la map qu'on a déjà visité. C'est un nouvel endroit. C'est un nouvel endroit, c'est une église ou une cathédrale. Personne n'a mis les pieds ici depuis 80 ans. Je peux pas redescendre. On va regarder la map. Je suis où? Oh! Une basilique. Donc en fait, on est parti du puits pour aller dans la basilique. Je sens que ça pue grave. Hein. Il y a une porte au bout et je pense que ça va nous ramener à la salle capitulaire. Ça va être un raccourci. Bah oui, on est dans une abbaye. C'est un truc avec les moines, quoi. Par contre, ça pue l'église hantée. Hein. Ça pue l'église hantée. 80 ans que personne est venu ici. Il n'y avait rien par là. Je me fasse pas avoir des calices pour le vin. Ok. Allez, ça tremble. Elle tremble, elle a peur. Donc déjà, elle tremble plus. Je voulais prendre la caféine et du coup j'étais tellement perturbée que j'ai raté ma touche. J'aime pas trop ce volet là. Alors moi ce que j'espère surtout c'est qu'on va pas mourir. Bon, après il me reste deux persos. Hein. Et puis il me reste surtout notre héros Alexander.
Allez, on va aller ici. Il y a des portes, il y a une porte. Ah, mais c'est l'entrée c'est l'entrée de l'église. Pourquoi ça me dit de parler ? Hey, Mr. Neuer, it's no use. You won't be able to force the door open. Il y a Daniel de l'autre côté de cette porte. Il y a Daniel et Alexander donc juste derrière cette porte. Là, s'il y avait que moi, je partirais en courant. Il y a un truc là-haut. Concert d'hiver de Sainte-Cécilia. Ça pend encore ici. Ah ouais, c'est la catastrophe qui s'est passée. Allez, on reste cool. On se balade. On regarde s'il y a des trucs à ramasser. On essaie de pas se faire surprendre. J'ai l'impression qu'on entend des corbeaux, non ? Là, on peut aller sur la droite. On va regarder le tableau. Une description relativement moderne de la scène. Comme ça, on aura fait tout le fond. C'est pour ça que je visite tout par là. Un papier. Bible du trésorier. Bible avec passage barré et note du frère Victorino, trésorier de l'abbaye. On va lire. Rien n'est vrai, nous sommes seuls, perdus et seuls dans l'univers. Dieu n'existe pas, car Dieu n'est rien. Dieu n'est que poussière et rêve comparé aux ténèbres que je vois. Le diable est un fantasme d'enfant, l'enfer est une parodie. S'il vous plaît, faites que cela s'arrête, peu importe le prix à payer. Et ils étaient vraiment pas nets, hein, ces moines. Je sais pas ce qu'ils ont pris, mais il y a un démon qui les a bien possédés. Hein. Franchement, ils ont pris cher, les moines. Hein. Ils sont devenus complètement timbrés. Allez, on continue tout droit. J'ai regardé ça ? Ah non, c'est ici. Ah, je peux me cacher ici, ça se trouve. Non. Si je reclique, non. Avec l'entité comme voisin, ouais, tu m'étonnes. Il y a moyen de devenir timbré. Hein. Il y a un arbre. Pourquoi il y a un arbre dans l'église ? Trois personnes différentes ont écrit sur ce parchemin, les uns par-dessus les autres. Et ce qu'ils écrivent, c'est de la folie. Oui, vous voulez passer, nous faire passer un message d'amour et de bonté ? Rejoignez-moi dans l'obscurité, on y est bien. Je suis pas rassurée, il y a des trucs qui sont tombés sur la tronche. Il y a un truc qui vient de me faire tilt, hein. Je peux pas faire de pause. Il y a un truc qui vient de me faire tilt dans un des parchemins qu'on a eu. Il y a un des quatre mecs qui avait une clé, qui a caché sa clé dans l'encensoir. Et un encensoir, c'est ce qu'on est en train de voir, de se balancer là en fait. Et je pense qu'il y a une clé là-dedans. Dans l'encensoir. C'est écrit en noir sur blanc dans une note. Alors je finis mon tour. Tout va se passer vers la porte. Parce que l'encensoir... Elle a peur. Ah, c'est l'entité de merde. Alors, faut marcher, faut pas paniquer. Tout va bien, Grace. T'inquiète pas. Petit screamer gratuit. Calme-toi, Grace. Prends un peu de caféine. Voilà. T'es mort de rire. Ah non, t'es mort. Pas de rire. Je peux même pas me mettre en pause. Là, j'ai plus le menu. Je peux même pas respirer deux secondes. Donc, j'allais au milieu avant qu'il y ait l'entité transparente qui arrive. L'entité transparente, elle m'a jamais tué, hein. Par contre, elle fait peur, quoi. L'encensoir. Peut-être que l'entité se sent seule et que, effectivement, elle a attiré tout le monde pour ne plus être seule. Ça serait quand même bizarre. Un énorme encensoir avec une forme particulière. Omar saurait ce que c'est. Alors, moi, je suis sûre qu'il y a une clé là-dedans. Sauf que, visiblement, faut le faire descendre. On va peut-être trouver... Ça, c'est... C'est comme si quelque chose avait déchiré le bas des escaliers.
Je veux pas savoir ce qu'a déchiré ça. Les moines, comment ils font descendre leur encensoir? Ils ont... La corde, elle doit être accrochée quelque part. La corde, elle doit être accrochée quelque part. Ah, je pourrais me cacher, là. C'est bon à savoir. La corde, elle est accrochée, là. C'est une chaîne. Et j'ai pas récupéré mon objet, je vous l'avais dit, j'en étais sûre. J'en étais sûre, fallait que je le récupère. Depuis le début du jeu, depuis qu'on a commencé, j'ai dit qu'il fallait que je le récupère. Et je l'ai pas fait. Un rouage que j'ai huilé. À 15 minutes de jeu. Des offrandes dans des boîtes. Déchirer un escalier, ouais. Je suis d'accord, what the fuck. Désolé, je n'ai pas trouvé de lieu correspondant à votre requête. J'ai mon téléphone qui s'est activé tout seul, ça m'a fait peur. J'en pleure. C'est con. J'ai dû dire Siri ou un truc du genre. Vous avez entendu, non, le son du téléphone? Il m'a fait peur. Ah bref, faut que je m'en remette. Là, il y a des décombres. Alors, je sais que cet endroit a été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale. Cet arbre doit avoir presque 60 ans. Toi aussi, t'as une crise cardiaque, mais moi aussi. Moi aussi, carrément. Je vous jure, ça, c'est vraiment pas des bonnes blagues, des trucs comme ça. Bon, en tout cas, excusez-moi, je m'y remets. Parce qu'il faudrait pas qu'on joue encore pendant 5 heures, quand même. On a Sébastien à sauver. Il faut que j'aille chercher ma manivelle que j'ai laissée bêtement dans une autre pièce pour activer la chaîne, enfin pour descendre la chaîne et descendre l'encensoir, et je pense qu'on aura une clé. Donc pour retourner par là, il faut traverser une pièce là, qui j'espère sera pas trop pourrie. Parce que l'endroit où je voulais aller, je vais vous le montrer, il est ici. Tout en bas, où c'est marqué Abbaye de Sainte-Cécilia, là. Où je mets la flèche. Voilà. T'as raison. L'église, on dirait qu'il ne reste plus qu'un doigt. Allez, on y va. Parce qu'en plus je patiente et plus le compteur tourne, et plus l'entité va me tomber dessus. Hein. Il n'y a pas de bruit. On est bon. Alors là, je connais pas l'endroit, hein. Il est tout nouveau. Hein. C'est juste un couloir, mais avec des portes. Et on sait très bien ce que ça donne, les portes. Des bouteilles. J'ai eu l'impression d'entendre grincer. Non, il n'y a rien. Encore cette clé en bronze, peut-être que je l'ai pas eu. Hein. Peut-être que j'ai pas eu de clé en bronze. Encore, parce que dans le cimetière, c'est la même clé. Hein. Et ici aussi. En fait, il doit me manquer une clé. Tapisserie toute vieillotte. Ici, il y a quoi? Des objets. Là, il y a une porte. Porte piégée? Non. Qui est ouverte. J'ai voulu me jeter sur l'objet que je vois juste. Oh, porte, 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 oh, c'est la plus dure. Allez, je suis à fond. Allez. Allez, Grace! Allez! Elle me stresse toujours, cette foutue entité de porte. Je me suis encore fait une crampe à la main. Elle tremble.
du violoniste. Récit enregistré de l'un des musiciens ayant joué lors du concert en 1912. Faut que je me calme, mais du coup, voilà. Je n'ai pas bu un seul verre depuis notre arrivée. Je doute que ce soit la cause de ce qui m'arrive, même si j'avais bien besoin d'un bon tonique. Cette mélodie maudite. Wolfgang a trouvé la partition dans la bibliothèque, parmi les vieux manuscrits et parchemins de l'église de l'ancienne cité de Byzance, qu'il n'aurait pas dû consulter. Elle était écrite en spaltique, le système de notation byzantin, et aucun de ces fainéants ne savait le lire. J'ai dû la transcrire sur la portée habituelle afin que nous puissions l'inclure dans notre répertoire. C'est une mélodie facile, incroyablement difficile à se sortir de la tête. Chaque fois que je me la répète, elle me semble dérangeante. Des pensées que je n'ose avouer commencent à me traverser l'esprit, et je ressens un profond sentiment de malaise. Et pourtant, chaque fois que j'attrape mon violon, je rejoue la chanson. Pendant les répétitions de groupe, ces effets semblent se multiplier, et, bien qu'aucun de nous ne l'admette, je peux voir l'agitation dans leurs yeux. Je ressens aussi bien de la peur que de la curiosité quand je pense au concert, à notre concert, au moment où les voix des moines envahiront la salle de l'église. Salut Slender, bienvenue. Alors ce document il est très intéressant parce que ça nous donne l'origine de la mélodie. Ça nous dit que la mélodie, elle a été trouvée dans cette abbaye, dans la vieille bibliothèque. Il y a un mec qui s'est dit que ça serait une bonne idée de récupérer une vieille mélodie pour l'inclure à un concert. Et on sait comment ça s'est passé. Tous les spectateurs et tous les moines sont morts. Mais maintenant on connaît l'origine de la mélodie. Ça vient de Byzance. Ça vient d'un parchemin de l'ancienne cité de Byzance. Donc la mélodie, c'est son origine. Donc c'est très intéressant ce document. Ça ajoute à l'histoire ce doc. Hein. Qu'est-ce que ça ? Pièce métallique. Ah, une pièce de rechange. Ah, c'est bon ça. C'est bon ça. Je vais pouvoir réparer l'idée que j'avais. Non, pas le sécateur. L'écarteur. Et je vais pouvoir sûrement soulever la trappe. Yeah! Écarteur chirurgical tout neuf. Un concert de malade. Ouais. Un concert de malade. Un piano. Je suis contente qu'elle n'ait pas essayé de faire ting 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 ting. Ça m'aurait gavé qu'elle ait essayé le piano. Toujours des pianos dans les. Dans les jeux de vidéo hantés. D'horreur. Bon, il n'y a rien de plus ici. Donc, ma manivelle. Ma manivelle et la trappe. Tout en survivant à l'entité. Et lui qui est sur son fauteuil, là, il me fait peur à chaque fois. Il me donne des frissons à chaque fois. La trappe, elle est sur le passage pour aller chercher la manivelle. On est bon, on y va cool. Allez, on est cool. On sifflote, on chantonne. On imagine qu'on n'est pas du tout ici. On s'imagine au centre commercial. Bonjour madame, j'ai acheté des chaussettes. Alors est-ce que l'idée elle était bonne? L'idée était bonne. C'était... Oh! Le moine a une clé dans la main. Est-ce que je dois la prendre? Je vous demande, est-ce que je la prends? Sachant que ça se trouve, le truc va se refermer sur ma main. Mais si ça se referme sur ma main, ça va pas me tuer, ça va juste me couper la main. De toute façon, il y a faux la clé. Hein. Il manque une clé, j'arrêtais pas de le dire depuis tout à l'heure. Il y a deux portes fermées à clé. Shigo, il réfléchit. Hein. Parce qu'on le sait. Hein. On sait que ce jeu est super fourbe. Moi, je pense qu'il faut la prendre. On y va. C'est passé. Ok.
Voilà, fameuse clé en bronze. Ok, super. Ok, on en a plus besoin. On a plus besoin de l'écarteur. Allez, un pulse en moins. D'ailleurs, il reste plus beaucoup de pulse. Hein. Il me reste... Enfin, je refais... À part le cimetière, où maintenant que j'ai la clé. Il y a la porte du cimetière à ouvrir. La grille. Il y a le four en bas. Je regarde les rouages. Et le four en bas. Et donc l'église, bien sûr, où je vais aller chercher mon truc. Et les plantes. Ici, les bons conseils peuvent être fatals. Hein. C'est un jeu de fourbe. Est-ce que je passe par le réfectoire ou pas? Oui, j'ai pas le choix, de toute façon. C'est juste que dans ce jeu, j'ai tellement l'impression que mes pas sont comptés. Genre, il y a une entité qui apparaît tous les 150 pas. Ok, ici... Et si je me trompe pas, c'était juste en face. Parce que c'est ici que j'avais ouvert. Voilà. Mais comme j'ai tout déverrouillé, maintenant je m'en fiche de refermer ça. Elle a peur, je ne sais pas pourquoi. Elle a marché sur une planche, ça lui fait peur. Donc, maintenant, il faut retourner à l'église. N'aie pas peur, Grace, je suis avec toi. Allez, église. J'ai l'impression qu'on a fait le pire, quand même, dans ce jeu, pour le moment. On a fait des catacombes. On a fait une vieille église. On a fait toutes les salles, là. On a vu tous les cadavres. Allez, cool. On s'imagine, comme disait Cutup, on s'imagine au paradis des papillons. C'est bien pas là, hein. C'est de la douche vient. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, je vais pouvoir aller dans la petite pièce, là. Et après, donc, on ira dans la maison du cimetière. On n'a pas vu le fantôme de l'archéologue, hein. Alors, avant d'aller dans la porte, là... Je vais aller tout de suite utiliser mon rouage. Parce que, en toute logique, j'aurais dû l'avoir sur moi en arrivant dans l'église. Si j'avais pas fait mon boulet au tout début du jeu, en le laissant sur place. Bah, je n'ai pas un objet. Ok, c'est pas ça. Ah, c'est peut-être de l'autre côté. Parce que a priori, le rouage, il donne de l'autre côté. Donc du coup, j'aurais dû rentrer dedans. Hein. On va écouter. Merci, bon courage pour ton lundi, pour ce début de semaine, à plus tard, au plaisir. Passe une très bonne nuit. Ouais, il est là en fait. Il y a quoi là? De l'huile rance, rien de plus, ok. Allez.
Donne-moi cette clé. Oh, on a tout pété. Je crois que je viens de faire tomber quelque chose de très lourd et a priori d'irremplaçable. Moi, j'espère juste que ça aura pas réveillé quelqu'un. Le gros curé. Le gros abbé. Ah bah oui, l'ascenseur, il est plus là. Mais je peux pas passer par là. Ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue. Ça pue. Il est tombé juste là. Bingo! Une nouvelle clé. Une décoration. On dirait plus une décoration qu'une réelle clé, et pourtant. On a 2 clés sur 4. Je me croirais dans Fort Boyard, presque. 2 clés sur 4. La suite. La suite, la suite. Je sais toujours pas quoi cuire au four, mais on peut aller dans la maison à l'autre bout, là-bas. Parce que sinon, j'ai tout ouvert, ici. Eh ben, go au cimetière, c'est pas très très loin. On y va en croisant les doigts que l'entité ne nous tombe pas dessus. Normalement, c'est dans cette salle-là, au fond, le cimetière. Elle a tremblé un petit peu, je sais pas pourquoi. Toi, t'es toujours aussi moche. Je sais toujours pas comment ouvrir les grilles, hein. C'est quoi ce bruit? C'est des bruits de branches d'arbres ou de pendus. Ah, il y a des loups. On n'avait pas eu des loups tout à l'heure. Je regarde quand même que je me trompe pas de chemin. Peut-être que dans cette maison, on aura une solution pour ouvrir les grilles. Hein. Du dégrippe. Comment ça s'appelle quand c'est rouillé? Du dégrippe tout? Grippant. Du dégrippant. Petite musique qui monte là. Allez, greffe le warrior. On va aller jusqu'au bout. Et est-ce que j'ai encore la clé? J'ai encore la clé, donc j'ai encore des trucs à ouvrir avec cette clé. Peut-être les grilles du cimetière. Alors là, on est dans le glauque de chez glauque. Ouais, c'est un peu dégueu. Alors là, on est dans le dégueulasse de chez dégueulasse. Et même en prenant de la caféine, elle continue à avoir peur. Il y a des bras et des pieds pendus au plafond, il y a du sang partout. Et là, il y a un pendu qu'il faut regarder en plus. Pourquoi j'ai l'impression d'entendre des bruits d'avion? Ah ouais, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Mais alors vraiment la même chose. Des bruits d'avion, c'est bizarre. Mon Dieu, ils l'ont pendu à un crochet comme dans un abattoir. Qui c'est? Je sais pas qui c'est. C'est Alexander? Ça a pas l'air. Il y a une statuette, ça. Buvant de vodka. Statuette en pierre. C'est sculpté avec tellement de détails. Utiliser, je peux la casser. Qu'est-ce que je suis censée te faire de ça? Ok.
Le journal. On entend encore les avions. Non, mais c'est. C'est des souvenirs de la Seconde Guerre mondiale, ça. C'est le. Attention, on va sûrement en apprendre un peu plus sur ce qui s'est passé dans cet endroit. Un journal de l'abbé, note manuscrite du Père Agonaud. Abbé de Sainte-Cécile. Alexander est éparpillé au plafond. Ça se trouve, il y a moyen. Ouais, mais non. Pff, non, parce que c'est pas l'abbé qui a tué. Enfin, l'abbé, il a tué les moines, mais il a pas rencontré Sébastien, sauf en forme. Remarque, en forme entité, quoi. On va lire. 25 novembre 1912. J'ai ordonné que toutes les partitions musicales soient brûlées. Nous avons placé des bougies et des lampes dans chaque cellule. En vain, car le hurlement n'a pas cessé. Quel genre de pénitence est-ce ? Quel péché avons-nous commis ? Nous n'avons fait que chanter. 29 novembre. Si quelque chose devait m'arriver, la clé serait en sécurité. Personne ne doit la trouver. Je la confierai à Notre-Dame des Bougies. C'est quoi Notre-Dame des Bougies ? C'est l'église ? 8 décembre. Il a survécu longtemps, hein, l'abbé. Hein. Je dois faire quelque chose. Je commence à perdre l'esprit en étant enfermé ici. Chaque recoin semble menaçant. J'ai peur de l'obscurité et de ce qui s'y cache dans ses profondeurs. Les frères m'ont demandé des nouvelles d'Ernino, de Victorino et de Malachias. Mais je ne me souviens de rien. Quand je ferme les yeux, je ne vois que des formes grotesques qui se tordent dans le noir. Que m'arrive-t-il ? Bah, ils sont là, les autres frères. C'est eux qui sont accrochés là-haut. L'abbé les a mis en morceaux. Il y a un trou et une porte. Et elle a toujours aussi peur. Par contre, je vais regarder ça, parce que je peux me cacher, là. Ok. Il y a un truc, là. Des mains clouées sur le mur. Des mains humaines. C'est horrible. Oh, il y a un cadavre, là, aussi. Des corps mutilés. Presque pas reconnaissables. C'est insupportable. Pourquoi il y a encore des statues de la Vierge Marie ? Statuette en bois. Ah, tout à l'heure, on en avait une en pierre et maintenant, on a une en bois. Sculptée à la main. Mais je peux rien... Ah, je peux combiner. Non. Parfois, je comprends pourquoi on me dit que les yeux sont le reflet de l'âme. Avec les mains qui pendouillent et qui sont accrochées à droite. C'est super sexy. Pourquoi c'est fermé, là ? Avec des mains. Et des mains qui ont été coincées au travers de la porte. C'est horrible. Ces taches horribles. Et là, elle peut regarder, on va regarder. Ah, mais faut. Mais tu m'étonnes, quel fou ferait ça? C'est pas un trou, c'est juste. C'est juste monstrueux. Pourquoi il y a des avions? Ça a l'air safe. J'ai toujours peur quand j'ouvre une porte. En bon. On va faire toutes les matières. Elle a très peur, hein, elle tremble, mais je pense que c'est la situation qui. Elle a eu peur. Oh là 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 là. Je vous l'éclaire un peu, c'est dégueulasse. Regarde. Ah putain, c'est. C'est. Zut, j'ai pas trouvé le nom du jeu. C'est pire que Blair Witch. C'est. Elle a de plus en plus peur. Hein. Elle a de plus en plus peur. Ma manette vibre de plus en plus. Il y a une clé. On voit là, dans son dos, elle est en cire. J'ai une idée. J'ai essayé le sécateur, mais j'ai une idée. Le four, il va pas servir à cuire quelque chose, il va servir à faire fondre la statuette. Notre-Dame de la bougie, mais bien joué, Shigo, exactement. De quoi ? J'ai pas compris. Parce que le. Tu peux pas mettre en pause, je peux plus mettre en pause. L'abbé, il a dit qu'il confiait sa clé à Notre-Dame des Bougies. Ouais. Et c'est ça, c'est la statuette
de Sainte-Marie, ouais. en cire, il a mis la clé dedans. Ah, d'accord. Donc ça, je regarde, mais du coup, ça sert à rien, c'était en plâtre. C'est pour ça qu'il y a toutes ces statues. Bon, heureusement que je l'ai regardé, parce que sinon, j'aurais jamais trouvé ça. Il y a un truc au sol. Ah non, c'est la table. Ok, non. Bon, on a tout fait, hein. On est d'accord, hein. Elle tremble tellement, Grace. On va aller faire cuire la bougie. Faire cuire, faire fondre. Elle tremble tellement. On a bien avancé jusqu'ici, je trouve. Il y avait des lieux auxquels je m'attendais pas du tout. Je m'attendais pas du tout au souterrain. Et encore moins à l'église. Moi, je pensais que j'avais fait le tour de la map, qu'il ne restait que le cimetière à faire. Ouais, petit corbeau. Tout à l'heure, c'était des loups, maintenant, c'est des corbeaux. Salut, c'est Mag, bienvenue. Donc, le four, il est tout au sud aussi de la map. Il était à côté de la salle où j'ai récupéré le rouage. On y va cool, on s'énerve pas. Ici, s'il faut se cacher, il y a un placard. Il y a un truc... C'est quoi ça? Oh non, pas celui-là! Ah, ça recommence. Je me rappelle plus, c'était A ou B, c'était quoi qu'il fallait que je fasse? Cramer le fantôme qui est derrière oui, toi. Oui, en plus, crois. La pièce, elle est tellement petite. Ah ouais, tu peux pas, c'est impossible. C'est impossible, laisse tomber. T'étais obligé de mourir, en fait. C'est dégueulasse. Au revoir. Pauvre Grace. C'est que c'est bon. La salle était tellement petite que l'entité était déjà derrière moi. Bah, c'était plus facile quand j'étais à l'extérieur, il venait de loin. Là, il était juste derrière moi, la salle, elle était trop petite. Bon. Ben, j'espère qu'il nous reste pas trop de choses à faire, parce qu'il nous reste que deux persos. Donc, quand même. Quelque part, ça me fait plaisir de me dire que je vais jouer avec Alexander. Comme tu dis, Shigo, place au meilleur, maintenant. Monsieur Vodka. Il résiste à tout. Alors lui, j'espère qu'il va rester longtemps en vie. Alors par contre, si on croise Grace... T'as avec les pelles, par contre. Bah avec une doudoune en sans manche aussi. Hein. Je pense qu'il est venu faire là comme ça. Monsieur Vodka, notre guerrier, notre héros. Putain, ouais. On a fini deux épisodes avec lui. Non, un épisode avec lui. Non, deux épisodes, j'ai fait le 1 et le 2 ouais, avec Alexander. J'ai fait le 3 avec Grace. Pauvre Grace. C'était dégueulasse de mettre ce QTE dans cet endroit-là. Et j'espère que ça se reproduira pas parce que c'est tellement petit comme endroit. Après, c'est vrai que j'ai un peu paniqué parce que je me souvenais plus comment ça marchait. Mais enfin, je savais qu'il fallait que je tourne sur moi-même. Mais j'ai rien vu, quoi. Ça recommence le chargement. Je sais pas ce que mon ordinateur il a ce soir, mais les chargements sont très longs. Oui, le temps que je fasse un tour sur moi-même, c'était déjà fini. Franchement, j'ai même pas la note, j'ai presque l'impression que je suis plantée là. Mais je vais patienter, hein. Ça y est, là la note. Et je vais pas redémarrer mon ordinateur en plein live, hein. Mais à l'épisode 5 de Song of Horror, je redémarrais mon ordinateur avant de jouer.
Parce que ce soir, je sais pas ce qu'il a le jeu, mais il a du mal. Hein. Ou alors c'est que la map elle est trop grande dans cet épisode et elle est mal codée et du coup ça surcharge un petit peu mon ordinateur. Je suis quand même un bon ordinateur, donc c'est surprenant qu'il puisse pas faire et le stream et le jeu. C'est pas du tout normal. Bon, ça fait une petite pause. Fais respirer 5 minutes. Ne prenez pas de décision hâtive si vous ne savez pas s'il faut agir ou non. Les personnages avec beaucoup de force pourront bloquer plus facilement la porte. Ah, l'entité, elle est en train de se pomponner là. Elle se refait une petite coiffure. Elle se refait ses ongles acérés. Ça y est, on démarre où avec eux ? On démarre dans le cimetière avec lui. C'est glauque. Même si je marche dans l'ombre de la mort, je dois trouver Monsieur Sébastien. Alexander, c'est un héros. Alexander, c'est un héros, et prêt à mettre sa vie en jeu pour son patron. Quel guerrier. Oh, faut tout retraverser, hein. Quel courage, ce Alexander. Il est plus lent que Grace, hein. Grace, elle est plus rapide. Hein. C'était dégueulasse ce QTE volant. Limite, j'aurais préféré avoir une porte. Au moins, si je mourais, je savais que c'était vraiment de ma faute. J'ai l'impression d'avoir entendu pleurer. Je m'attends à voir Grace dans tous les coins maintenant. On aurait dit un gémissement. Hein. Ça se trouve, il y avait Grace quelque part là-dedans. En fantôme. Bon, allez, pas un deuxième QTO au même endroit. Ça serait pas juste. Ah, mais. Oh, je me prends dans le décor. Il a peur. D'avoir ramassé le sac, ça lui a fait peur. J'ai déjà regardé, là. Il y a eu un drôle de bruit. Il a très très peur. Ça tremble énormément. J'ai presque envie de lui faire boire sa vodka tout de suite. Et ça tremble plus du tout. Donc on va réfectoire... La pièce au sud. Franchement, ça l'a arrêté direct. Hein. Direct, il a arrêté de trembler. Le réfectoire parlant. Je tiens plus que tout au monde à faire survivre Alexander. Grace, ça m'ennuie parce que j'aurais bien aimé aussi qu'elle survive. Mais s'il doit en rester qu'un, faut que ce soit Alexander. C'est mon perso fétiche. Donc si je ne m'abuse, c'est ici qu'il y a le four. Derrière cette porte. J'ai pas aimé ce petit effet de... Je fouille un peu parce que je rappelle, je cherche toujours une recette. Pour faire... Parce qu'après, il va nous rester que l'énigme avec les plantes. Ah, c'était ça. Oh, c'est marrant, il fait ça au pied, lui.
clé. On dirait qu'il y a un bijou sur la clé. Non, je vais pas la prendre. On va attendre un peu. Elle est en train de refroidir. Elle était très rouge, elle était sûrement brûlante. Je pense pas qu'il serait mort quand même. Ah, ça y est, oui, il a fait un... Il a changé de discours. Père Agounod. La clé d'un meurtrier déguisé en serviteur de Dieu. Je n'aime pas avoir ça sur moi. Ouais, parce que l'abbé, hein, l'abbé de Saint-Cécilia, il a vraiment pété les plombs. Hein. Il a enfermé tout le monde, il a tué tout le monde, même si tout le monde était hanté. Ouais, ça se trouve, l'entité serait venue, on aurait attiré quelque chose. Je peux toujours pas faire de pause? Non, je peux toujours pas faire de pause. Réflexion. J'ai 3 clés sur les 4. Ici, j'ai encore une clé à utiliser. J'ai un sécateur, je sais pas à quoi il me sert. Des fleurs, je ne sais pas à quoi elles me servent. La pelle, on sait. Il va falloir creuser dans le cimetière. Il va falloir aller chercher dans le cimetière. Le cimetière, je peux pas y aller parce que la porte, elle est bloquée. J'ai pas essayé le sécateur hein, sur le grillage du cimetière. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le cimetière, ça, ok. Je pense que la quatrième clé est au cimetière. Je pense qu'on a presque fini le jeu. Si on arrive à ouvrir cette foutue grille de cimetière. Je suis sûre que la clé, elle est derrière. Je crois que je me répète, mais désolé. Là, il n'y a plus rien à faire. Hein. Les points d'interrogation, c'est le puits, on y a été. Et le deuxième là-bas, c'est la grenade, on va pas la prendre. On va pas se faire exploser. Les autres étages. La crypte, il n'y a plus rien. Exploser. Il reste ce puzzle avec les plantes. Hein. Je vais regarder dans mes objets ce que j'ai. Journal de l'abbé. Journal de l'abbé. Journal de l'abbé. Confession bibliothécaire. Plan de bibliothèque. Poème. Note pliée. Ou alors ça se trouve, j'ai une recette derrière un papier. Cahier perdu. Suicide. Bible. Et faut peut-être que je les regarde. Que je les tourne. Non, je peux rien faire. Ou alors que j'utilise. Mais non, je peux pas utiliser des. Genre le sécateur sur la Bible. Là, j'invente. Hein. Il y a plusieurs pages ici. Là aussi, il y a plusieurs pages. Après, l'énigme des plantes, eh ben, ça se trouve, elle est logique. Hein. Ça se trouve, elle est logique. C'est peut-être que j'ai pas réfléchi. J'aime pas les bruits qu'il y a. Ce sécateur, il me. Je peux pas combiner un objet avec du papier. Franchement, s'il y a une recette cachée quelque part, elle est bien cachée. Hein.
Auditorium. Alors, je vais aux escaliers que j'ai perdus, s'ils sont en face. Et on croise les doigts pour rester en vie jusque-là. Alors, j'ai pas dans la cuisine, il y a la recette. Il s'est mis à trembler. Pourquoi trembles-tu, Sébastien ? Alexander. Quoi, je suis en train de réfléchir à quoi peut me servir encore ce sécateur. J'ai plus de rouages hein, sur la map. À part à l'étage où il y a l'énigme des plantes. Et là-bas. J'irai essayer le sécateur sur, sur le cimetière. Hein. Je vois même plus où je suis. Ah, je suis dans l'ancien cloître, je suis pas dans le bon. Je suis pas sortie du bon côté. C'est super. Ah, peut-être que si j'ai pas le sécateur, je peux pas faire la... L'énigme de la plante. T'as raison. Je pense que c'est par là. J'étais pas convaincue. Ça se trouve, si t'as pas ramassé le sécateur, l'énigme des plantes, tu peux pas la faire. Ça veut pas. Ça dit qu'il manque quelque chose. J'y vais cool. Ouais, c'est ça que c'est pour ça que je rigole. Je trouve vraiment le jeu magnifique, hein, franchement, je trouve super. Mmh. L'infirmerie, j'avais rien trouvé. Hein. Pas de recette. Hein. Ah, bah j'ai pas été à la porte où je pensais aller. On l'a même pas vu. Putain de porte. Ouais, hein, du coup, il y a peut-être quelque chose derrière. C'est énervé. Ah, c'est occupé. Bah, je vais aller visiter l'infirmerie en attendant. On entend clairement. Hein. Bah, peut-être que là aussi, en même temps. Faut peut-être juste patienter. Non, il n'y a rien ici. Il vient ici, mais c'est pour patienter. Hein. Oh, c'est un seau de toilette. C'est dégueulasse. Hé, Shigo! Tu sais qu'on a mis un temps monstre à faire cette énigme. Et ben en fait, il y avait le plan sur l'établi. C'est quand même ballot, hein, qu'on ne l'ait pas vu. C'est clair. C'est de ma faute. Alors, il y avait quand même une énigme, hein, il n'y avait pas l'ordre des pièces. Mais il y avait le plan. Il y avait une photo, on va dire, de l'objet. Ouais, sérieux. Je m'en suis rendu compte après. Je pouvais regarder un document. Bon, c'est fini, vous avez fini d'utiliser les toilettes. Tu peux y aller. Oh, zut, c'est pas là. Oh, il n'y a plus personne.
Ouais, on l'a fait sans plan. Franchement, on déchire. Alors, je peux me cacher ici, je crois, s'il y a besoin. Ouais, dans l'autre pièce, je peux me cacher. Bon, on en revient là. Si la recette, elle était à côté, je l'aurais vue. On dirait que quelqu'un a commencé à préparer quelque chose et a arrêté à en avoir fini. Donc là, j'ai pas ce qu'il faut. Je vais y regarder quand même par là. Il y avait un point, non, c'était derrière. On peut pas passer. Ça a tremblé, il s'est fait peur. Allez, on s'énerve pas. Sébastien, il est juste derrière là. Bon, bah on est parti pour le pire en fait. Oh putain. Ah oui, d'accord. Ça donne envie hein, d'y être tout de suite là. Donc, je n'ai pas de document qui permette de savoir quelle recette on doit crafter. Il y a 10 recettes. Il y en a une qu'on ne peut pas faire, parce que je rappelle qu'on n'a pas de filogos. Pas de filogos, pas de C. Donc, moi, l'idée que j'avais, la seule idée que j'avais, parce que j'y réfléchis un petit peu, la seule idée que j'avais, c'était d'essayer toutes les recettes, tout simplement, les unes après les autres. Voilà. Alors pour ça, j'ai préparé mon petit cahier parce que il faut quand même que j'écrive mes recettes en A, B, C, D parce que sinon on va y passer un temps fou si je le fais de mémoire. Donc la première recette, c'est du diomtos. Et le diomtos, il faut le faire avec un ambrénus et un zévisticus. Un ambrénus, c'est un F. La recette numéro 1 qu'on peut faire, un F et un zéviticus, un B. Donc la première recette, c'est un F et un B qui nous fera donc ensuite, il faut deux zéviticus, deux F, F, F. Et ensuite, il nous faut deux Diambra. Les Diambra, c'est pas une plante, c'est la recette qui est juste en dessous. C'est un ambrinus. Donc un F encore. Merde, mon stylo il écrit plus. Chier. Ça va me faire perdre le fil. Un F. Et un Escamonea. Un E. Donc, pour faire la recette Diambra, pardon, pour faire la recette, je suis paumée. Pour faire la première recette, il me fallait le Diomtos que j'ai bien noté, deux Eveticus que j'ai bien noté, ça fait, tu vois, c'est horrible, 3F. Et, deux Diambra. Non, le Diambra, en fait, c'est en dessous. C'est un A. Qu'est-ce que j'ai noté? Pardon, je vais recommencer. Par contre, je vais prendre un autre stylo et un papier. Tu veux pas me chauffer, s'il te plaît, derrière, là-bas et un petit carnet bleu. Salut, Choco! Ah bah, écoute, je suis désolée. Je suis une amatrice. Hein. Merci. Et un stylo. Ah, pas ça. Ah, ça aussi, c'est en faute. Ça. Merci. Voilà, avec du matériel qui marche, ça sera plus sympa. On est parti pour nos réflexions intenses. Et je vais arracher une page parce que sinon mon carnet, il va
refermer à chaque fois. Allez, réflexion intense, on y va. Ouais, non, c'est bon, merci. Okay. Hop. Parce qu'en plus, le document, je suis obligée de rester appuyée dessus, c'est casse-pied. Alors, la première recette, il faut un diomtos. Diomtos, en fait, non, je sais pas le faire, je me suis embrouillée. Parce que là-haut, c'est diomtos, et en bas, c'est diomtos. Il y a un M, alors que là, c'est un N, donc je peux pas la faire, la première. Je sais pas faire le diomtos. Le diombrin, je sais le faire. Un ambrinus. Un F. Et un escamonea, un E. Ça m'étonnerait que ce soit juste ça. Ça a l'air trop simple. La troisième, je sais pas la faire. Je n'ai pas de philogos. La quatrième. Quatrième, il faut un diombrin. Un diombrin, c'est un ambrinus, un escamoa. Un ambrinus, c'est F. Et un escamoa, c'est E. Ensuite, il faut deux diomtos. Donc c'est bien des diomtos, c'est pas des diomtos. Deux diomtos. Donc il faut deux ambrinus, deux F et deux vesicus, deux B. Oh, la galère. Ensuite, il faut un demi prunis. Un demi pruneau ? C'est compliqué. Je suis en train de me concentrer, putain. Oh, le lourd. Oh, le foutant de merde. Un demi diaprunis, qui est le diaprunis qui est juste en dessous. Donc, pour un demi diaprunis, pour un diaprunis, il faut deux sveticus et deux prunus. Donc pour en avoir un demi, eh ben je mets que un de chaque. Donc un Z, un sveticus, donc un B. Et un prunus, un D. Ah, tu vois, je fais rire Chigo. Non, Chigo, l'encourage pas, s'il te plaît. Il est en train de me fatiguer, là. Je dis oui pour le demi-pruneau. Tu vois, oh, vous entendriez bien tous les deux, là. Alors moi, je suis en train de me casser la tête, et vous êtes en train de me plaisanter. J'ai marqué quoi? D. J'ai cru que c'était un B, c'est un D. Ok, et après, il faut un tiadaricus. Ah, si, tiadaricus, c'est là-haut. C'est deux dialtea. T'as donc, fait du latin, toi? Deux A. Un diaprunis. Oh, bordel. Ah bah, tu vois. Donc, un diaprunis, c'est deux sveticus, donc deux B. Deux D. Il y a un escamonea, un E. Et on a fait le dia... Voilà, j'ai la combinaison. Ouais, n'empêche que moi, je vous dis à tous les deux, si ça marche du premier coup, je mérite un cocktail. Moi, je dis ça, je dis rien. D'accord. Eh ben, j'espère que ça marchera pas du premier coup. Hein. Voilà, mais ça, c'est à supposer que la bonne recette... Ça soit la seule qu'on puisse faire au début, à savoir le diatinogos. Le diatia d'ailleurs, c'est une recette à cocktail, ça, non? Allez, j'ai marqué quoi? Un F. F, c'est ça. Un E. Ah, ok, d'accord, ça coupe un peu les airs. Deux F. Un, deux. Un cocktail au pruneau, non merci. Deux B. Un... 2, encore un B, un D, 2 A, ça fait beaucoup hein, 2 B, 2 D, et un E, donc là normalement j'ai fait une recette, oh putain c'est pas ça. Il dit que... Ah si, si, si j'ai mal lu. J'ai mal lu. Je pense que ce mélange devrait fonctionner. Que Dieu me vienne en aide si ça ne marche pas. GG. GG la fille. Ouais. Mais du coup, c'était la première recette qu'on pouvait faire dans la liste. Parce que les premières, on pouvait pas. Et t'en fais quoi après de ça? Et ça aurait pas été celle-ci, j'aurais fait la suivante.
Après, mais les suivantes, elles m'ont servi à faire celle-ci, en fait. Je sais pas ce que j'en fais, mais... Ah, il est en train d'inspecter. Partie d'une série de plantes mentionnées dans une recette de Diatinogos. Alors non, je n'ai pas eu de recette. Ah si, j'ai eu la recette. Je savais pas que c'était ça. Le mélange de plantes a une odeur acide. Ah, tu peux la... Je peux l'inspecter, je peux... Je sais pas. C'est peut-être pour se droguer. Ouais. Alors, a priori, t'en fais rien pour l'instant. Je sais pas trop. Ou peut-être faut l'associer... Peut-être l'ouvrir au sécateur. Ah non, j'ai plus de sécateur, ça servait bien à ça. Pourquoi ? Le sécateur, il servait bien à faire l'énigme des plantes. Ah, pour les couper. Ok, d'accord. Si j'avais pas ramassé le sécateur, j'aurais pas pu la faire, l'énigme des plantes. C'est gros un sécateur pour. Pour aussi des petites plantes, ouais, je suis d'accord. Je trouve, hein. Ouais, je suis d'accord. Combiner des plantes avec des plantes. Oh ! T'as fait quoi là ? J'ai mis ma plante au milieu du... J'ai fait, je sais pas, un pot pourri, j'en sais rien. Ah ouais, il est pourri. On est en atelier création. Le mélange est prêt. Si la recette est correcte, je devrais pouvoir faire une substance désoxydante. Ça veut dire quoi, désoxydante ? Anti-rouille. Ah, anti-rouille. Ah, ok. Et anti-rouille. Bah sur la grille du cimetière, tu viens d'arriver ou... Ah bah moi je suis pas là depuis un moment, moi, je suis... T'as fait semblant d'être présent en fait. Complètement. La rouille, mais il faut peut-être de l'eau. Téléphone. Mais là il y a toujours un truc. Hein. Là il y a toujours un truc. La pièce elle est rouillée là. Putain, tu veux pas balancer ça dans la pièce, tout dérouillé. Ah, ouais. Fallait réutiliser. Moi j'allais partir avec. Hein. J'allais partir avec. Nettoyant des oxydants acides à base de plantes. Bon, oh là là, on se fait petit chimiste amateur. Ouais, et puis c'est surtout que t'as aucune indication de non. Quoi. Bah, si, tu sais que t'as une énigme à résoudre, quoi. Ouais, enfin, tu sais pas qu'il faut mettre la feuille rouge avec le mélange. Oh, bah, et puis tu sais pas qu'il faut aller y concocter un élixir. Enfin, tu sais pas qu'il faut concocter un élixir. Là où je suis d'accord. C'est que jamais j'aurais pensé que c'était l'énigme des plantes qui allait me permettre d'ouvrir la grille du cimetière. D'accord. Okay. Ça, j'aurais jamais fait le lien intellectuel. Ouais, bah, tu m'étonnes. En même temps, t'as pas autre chose que ça, là ? Ouvrir une. Je sais pas, un coup de C4, un coup de. Ça, franchement, j'aurais jamais fait le lien de ça. Aucune logique. Par contre, j'avais plus grand chose à faire à part l'énigme des plantes. Donc. Mais heureusement qu'ils parlent, hein, les personnages. Heureusement qu'ils disent ce qu'ils sont en train de faire. Parce que sinon, j'aurais crafté un truc, j'aurais pas su. C'est vrai, ils sont pas muets, effectivement. Parce que maintenant, si on regarde, hein, ici, il n'y a plus rien à faire. Ici, je vais vous montrer. Hein. Mais c'est moi, ma logique, elle est comme ça. Hein. C'est qu'est-ce qu'il me reste à faire sur la map. Là, à part le cimetière, il n'y a plus rien. Hein. Bah, t'as des points d'interrogation. Non, on n'y va pas aux points d'interrogation. Ah, d'accord. Là, c'est une bombe. Ah. Et là, c'est le puits, on y a déjà été. C'est intéressant, ouais. Une bombe. Non, c'est... Non. Non, ça va non. Nous tuer, c'est sûr. Ah. Donc voilà, là, je montre, hein, il reste plus rien à faire ici, à part le cimetière. Il restait le cimetière et l'énigme des plantes. Et il n'y a pas d'autre étage. La crypte, on a vu, il n'y avait déjà plus rien. Voilà. Maintenant, comme dit Shigo, il ne reste plus qu'à sortir. Et surtout, arriver en vie au cimetière. Tu vas chercher la brèche, tu l'achètes. Ouais, c'est ça, Shigo. Ouais. Et puis demain soir, je recommence le live depuis le jeu depuis le début en live. Tu le jettes dans le puits. Et on se refait une partie de l'épisode 4. Là, il reste Daniel, hein, en même temps. Mais j'aimerais bien qu'Alexander y survive. Mais Daniel, il est encore caché, là. C'est ouais, encore le fragile de base, de l'équipe, ouais, là. Ouais, c'est celui que j'ai laissé dehors. Ah putain, mais il se fait pas chier, lui. Il est derrière un bureau et, et il envoie les autos casse-pipe, non ? C'est ça, son truc ? C'est pas par là, par là. Allez, restons concentrés, on va essayer de garder Alexander en vie. C'est mon pote, Alexander. Tu veux pas l'appeler à Daniel ? Non. Tu vois, Shigo est d'accord avec moi. Monsieur Vodka doit s'en sortir. Ça serait plus ma série Song of Horror s'il meurt. Alexander, monsieur Absolute. Alexander, c'est notre héros. Alors, juste, je regarde mon chemin pour retourner au cimetière.
Pourquoi j'ai une porte au scriptorium qui est là où j'ai pas été? Il y a peut-être quelque chose derrière, non? Une entité, non? Il y avait. Pourquoi j'ai pas été sur cette porte-là? Je suis hyper perplexe d'un coup. Bon, en même temps, t'es à côté, tu peux y aller. Hein. Ouais, on va passer par le scriptorium pour aller. De toute façon, faut aller à sa capitulaire pour aller au cimetière. Donc plutôt que de passer. Je vais avoir du mal à te montrer comme ça. Si, regarde, tu vois où il y a une petite flèche marquée Abbaye Sainte-Cécile, là, tout en bas. Et bien, juste sur la flèche, je te montre une porte. Ici, là. Cette porte-là, là. Où il y a, tu sais, dans l'encoche comme ça. Là, je te montre une porte. Je sais pas ce qu'il y a là. Et donc, c'est juste ici. Sauf que à rentrer dans des pièces comme ça, on prend des risques. Hein. C'est ça qui m'ennuie. Elle est safe, celle-là, non? Ah bon? Ah. Bon, je me souvenais pas de ça. Surtout qu'il n'y avait pas de croix avant, elle s'est rajoutée. Ouais, ouais, mais c'est parce que c'est un nouveau personnage. Il a pas gardé la mémoire des clés et des portes fermées. Ah, ok. Et ça a fait ça à chaque épisode. Ah, d'accord, je sais pas. Chigo, le sent pas. Moi non plus, je le sens pas en vrai. Je vais aller au cimetière, je vais faire mon truc, et limite, je repasserai par là. En même temps, t'es juste à côté, là. À côté. Ouais, mais si tu meurs... Bah, tu meurs. Ouais, bah, si tu meurs, tu meurs, et Alexander, il est mort. Et t'es peut-être pas impliqué comme moi, mais moi, Alexander, j'ai envie qu'il reste en vie. Donc je sais que c'est juste ici, que j'ai qu'à rentrer et aller voir. Mais j'ai pas besoin d'y aller, je sais que je peux aller au cimetière et rentrer et trouver ma clé et ouvrir la porte où il y a tous les fantômes. Oh, mais non, mais en fait, on est débiles. Non, je sais... Ah, mais non, je ne mens pas, moi. Non, mais dans le jeu, on est complètement cinglés, on veut sauver Sébastien, mais on sait ce qui se cache derrière cette porte fermée avec 4 verrous. On sait qu'il y a tous les moines cinglés. Pourquoi on veut aller là, en fait? Faut mieux de partir. Et tant pis pour... C'est taper un apéro en groupe. Tant pis pour Rusher. Ici, l'ambiance, elle est bien faite. On entend le bois qui grince. C'est horrible. Attention, attention. Allez, courage. Il est bizarre comme cimetière, quand même. Avec des murs comme ça. Utiliser. C'est ça. Ouais, c'est ça. Par contre, ça, c'est pas crédible. Hein. On est en train de fondre... On est en train de faire fondre une chaîne avec des plantes. Je sais rien dire, franchement. Il y a beaucoup de tenailles, puis c'était fini. Hein. Bah ouais, j'avais un sécateur, ça aurait été plus vite que des non, plantes... Non, sécateur, tu fais péter une chaîne. Par contre, j'aime pas du tout la musique qui change, là. Une tenaille, ouais. Boulon. Oui, ouvre avec ta pelle. Ouais, tu tireras peut-être plus vite que Grace, parce que Grace, elle était lente. Et il fait quoi, là? Il fait de la soupe. Oh. Tu peux garder un peu ton sérieux, s'il te plaît? Ouais. La clé n'est pas ici. Je viens de déranger le repos éternel d'un homme pour rien. Bah ouais, mais c'est difficile de deviner. C'est ici! La statue, elle me dit que c'est ici. Fait peur l'autre avec sa faux là, regarde juste sa bouche. Ah ouais, ils font flipper tous, ils font flipper. Oh, mais c'est quoi, c'est une broche? C'est ma clé, c'est la dernière clé qu'il nous fallait. Ah bah c'est fini alors. C'est bientôt fini si on reste en vie. Ah je... c'est qui est-ce qu'on se bouille là? C'était qui se réveille? Elle est belle, hein, la clé en plus. Tu es comme un animal et enterré ici, repose en paix, serviteur de Dieu. Et enfin, toujours le petit mot... En même temps, il vient de le déranger, je crois. Toujours le petit mot, Alexander. Ouais, il est croyant. Chico, j'avais pas lu. Tu fais confiance à une statue que tu connais pas?
Mais t'as carrément raison, j'aurais dû être hyper vigilante. Enfin, c'était trop évident. Non, mais c'était trop évident. Mais par contre, j'ai entendu pleurer, ça se trouve, il y a un fantôme quelque part. Ouais. Parce que là, je peux encore aller sur le hall. Hein. T'as pas visité du coup ? Non. Ouais. Et je me demande s'il t'as faut visiter. Ouais. Il faut que t'y ailles ? Est-ce qu'il faut ? Je suis pas sûre. Ah bah alors, vas-y pas. Comme dit Chigo, pas besoin d'y aller. Alors, s'il me manque un objet pour finir le jeu, on reviendra. Bah voilà. Hein ? On reviendra s'il manque un objet. Mais là, normalement. C'est ça qui est bizarre. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai encore une clé. J'ai encore une clé en bronze, donc j'ai encore une porte. Mais j'ai les quatre clés hein, pour ouvrir le. Pour ouvrir la porte maudite. Hein. Ouais, t'en as même ça. Donc on va y aller. Faut juste que je me rappelle de où c'est. La porte maudite. Où tous les moines ont été enfermés. Elle était dans un grenier. Pas dans un grenier. Elle était. Je crois que c'est les escaliers qui sont là. Donc faut que je retourne au. C'était en haut des escaliers. Donc c'est. Ah ouais, c'est tout à droite, je crois. Et ça fait très loin. Donc il va falloir rester en vie jusque là. Et je vais pas aller visiter le scriptorium. Oh, je suis à ta place, je cours. Non, pas moi. On va y aller tout droit. Tu sais, comme dans Fort Boyard, t'as toutes les clés, tu cours. je suis en train de me tromper de chemin. Tu me perturbes avec tes conneries. J'étais en train de chanter dans ma tête la musique de Fort Boyard. Si tu veux, je te le fais, puis en même temps, tu non. cours. Non. On va mourir. Si on fait ça, on va mourir. Et je veux qu'Alexander il reste en vie. C'est sûr qu'Alexander, au rythme où il va, il fera pas Fort Boyard. Tout à l'heure, ici, je me suis... Regarde. Oh non. C'est le dur. Il est dur. Stressé, je suis hyper stressée parce que ce que je vais vous dire, c'est que je l'ai fait hier avec Grace. C'était super facile. Et je crois que en fonction des persos, c'est plus ou moins facile. Ouais, mais d'où leur stat, quoi. Ouais, le vieux qu'on a fait au tout début, de la partie pas d'hier, mais d'avant-hier, il était difficile aussi parce qu'il toussait pour rien. Et en fait, Alexander, il est pareil, il tousse pour rien. Alors que Grace, il ne tousse pas. Et Grace est morte, par contre. Oui, mais pas sur ça. Voilà. Pas sur ça. Oh là là. Ce qui veut dire que là, je viens d'en avoir une. Je pense que je devrais être safe pour traverser tout le truc sans mourir. C'est juste, par contre, il faut que je vois mon chemin. Paf, réfectoire, au bout du couloir. Passer dans le mur. Ben non, faut que je passe par la porte. Comment je passe là-bas, déjà ? Ouais, si, c'est dans le couloir. Dans le mur, pardon. Trou dans le mur, ça me revient. Je l'avais fait au tout début de la partie. Je viens seulement de lire, Chigo, que toi, tu voyais passe-partout en image. Moi, je l'imaginais la musique. Puissance de Monsieur Vodka. Là, ça m'a angoissé. J'ai cru que j'allais le perdre, Alexander. Il a jamais... Ouais, il est jamais mort, lui. Ah non, si je l'ai encore aujourd'hui, c'est qu'il est pas mort, effectivement. Ouais. Et si je pouvais l'avoir pour le
pour le cinquième épisode, je serais très contente. Mais grave, hein. C'est toi, Shigo, qui regarde des pubs. Ah ouais, 30 pubs. Bah ouais, ouais, il y avait... Ouais, c'est ça, 30. Il y avait 50 tout à l'heure. Il y avait 50. Enfin, t'es passé 80. Faut profiter de la vidéo, quand même. La vache. Enfin, j'arrête pas de regarder ma map, j'ai peur de me tromper. Donc c'est en face, parce qu'il faut aller dans l'autre cloître. Tu te rappelles, il y avait une émission, enfin ça n'a rien à voir avec le jeu, mais il y avait une émission qui était super sympa, qui s'appelait Culture Pub. Tout à fait. J'adorais le concept. Tu l'as fait monter à 50, mais les autres, c'est pas toi. Eh ben dis donc, merci beaucoup à ceux qui ne se montrent pas, mais qui regardent des pubs. C'est adorable. Donc c'est pas le grenier, c'est vraiment... c'est sur sa droite. Et ensuite, le mur. Donc sur sa droite. Voilà. Bah ouais, normalement, il y a une limitation, donc c'est pour ça qu'il y a dû y avoir plusieurs personnes qui ont regardé. C'est super gentil. Bon, faut que j'arrête de regarder ma map. C'est un déstressant. Par exemple, ça, j'ai jamais pu y entrer. Mais en même temps, je suis en train de me dire, il n'y a pas de rouage. Et puis, t'as pas de porte, en fait, non? Ah si, t'as peut-être un truc, là, on dirait. Si, c'est là qu'il faut que j'aille. Il y a une porte derrière. Hein. Ah, ok. Mais j'ai jamais pu rentrer. Enfin, si, je peux rentrer par là. Par l'autre côté? Ouais. 7 pubs en tout qu'on peut regarder chacun. Ah d'accord. Et je crois que c'est partagé entre les comptes, enfin entre les, ouais, les pages Utip en plus. Tu peux regarder 3 pour quelqu'un et puis 4 pour quelqu'un d'autre quoi. Mais pas plus. Ok, donc là je rentre. On espère qu'il n'y ait personne. On passe dans le trou. J'entends les mouches. Restons concentrés. On prend les escaliers qui sont quelque part par là. Voilà, là-bas. Très sombre. Ah, il tremble, il a peur. Tu m'étonnes. On va aller ouvrir une porte où il y a une centaine de moines. Non, j'abuse, mais où il y a des dizaines de moines qui ont été enfermés parce qu'ils étaient devenus fous. Qui s'entretuaient les uns les autres et qu'ils ont tué les visiteurs tu et sais tout à quoi et tout. Je pense, c'est une horreur. Quoi ? Qui me vient à l'esprit. Tu me fais peur. Oui. Imagine que le personnage que tu contrôles lorsque tu ouvres le coffre, c'est ça, c'est un coffre, oui, c'est une porte. Il dead. Oh non. Tu sais, le truc de pute comme ils font si bien dans le jeu de temps en temps. Ils sont sûrement secs maintenant. Ouais, mais tu sais, avec l'entité, elle imbibe bien. Ouais. Elle imbibe bien les morts, l'entité. Elle aime bien les, enfin, les garder en vie. Pas porter la poisse, mais. Bah moi aussi. Putain, tu te rends compte, toi? Le truc de salaud, t'étais au bout de ta vie, t'étais vénère contre le jeu. Ah, si là j'ouvre et que ça me tue... Ouais, tu sais, genre ça te supprime ce perso vénère. À ce moment-là, quoi. Ouais, je suis vénère. Tu sais, ils le font presque en quelque sorte avec le flic, parce là. Parce que le comble, c'est qu'en plus, il me reste Daniel, donc ça permet quand même de finir le jeu. Ouais, mais t'as quand même un perso en moins pour une action... Ouais, ouais. Tu sais, t'arrives au bout, t'es content, enfin en gros, t'as réussi ton truc, et pouf, supprimé. Ça serait dégueulasse. Bon, allez, on se concentre. Allez. Parce qu'en fait, je suis en train de voir que ce qui clignote devant moi, ce n'est pas un rouage, c'est un puzzle. Ouais, enfin... On a 4 clés de 4 couleurs. Ouais, enfin... Est-ce que quelque part dans nos documents, on nous a expliqué qu'il y avait un ordre de couleurs? Non, je m'en souviendrai. Moi, ce que je crains juste, c'est ce que je t'ai dit, c'est tout. Voilà, voilà. J'ai 4 clés, et c'est moi qui choisis. Tu choisis quoi, d'ailleurs? L'ordre des clés. Ah, d'accord. Et il n'y a rien sur la porte qui me... Rien sur la porte qui m'indique quoi que ce soit. Ben, on va y aller au pif. De toute façon, t'as une serrure là. Ça se trouve, je vais mourir parce que j'utilise pas le bon ordre. Ah non, abuse pas. Non, c'est pas possible. J'en sais rien. C'est pas possible parce que sinon, tu meurs. Tu les fais tous crever. C'est ouvert. En fait, non, ça les a. Attends. Oh, Daniel, qu'est-ce qu'il fait là? Je pense que c'est la même porte que j'ai vue chez Usher. Il ne faut pas la passer. Il a sauvé Alexander. Tu vois, je te l'avais dit. Si Usher est là, s'il est là-dedans, je devrais y aller.
J'y suis déjà venue. Bah ouais, c'est là où on l'a sauvé. C'est Alexander qui l'avait sauvé, Daniel. Ah, dans la dans porte, le premier épisode. Le premier épisode, là. Cette porte un peu qui sort ouais, nulle part. Ouais, dans le premier épisode, c'est Alexander qui... Enfin, c'est nous. C'est avec Alexander qu'on sauve Daniel. Et là, Daniel, il vient de l'empêcher d'aller se tuer dans la porte. Putain, mais comment il sait que c'est ce passage-là, qu'il y est, il est déjà allé là? Parce qu'il reconnaît la porte, j'en sais rien. Ah ouais, parce que sinon... C'est ce qu'il vient de dire. Il dit, je reconnais ce type de porte, c'est la même que chez Alexandre, que chez Sébastien. Ouais, que j'ai franchi ou ouais. J'étais dead. Ouais. Ah ouais, donc c'est bien ce que je disais, ça se trouve, t'es mort. Bon, enfin, bref. Donc... Alexander a sauvé, Daniel est mort. Qui prend les paris? Non, ils peuvent pas tuer Daniel. Pouf! Pas tuer Daniel quand et même. Et là, Mr. Vodka finit en grand héros. À la fin de l'épisode 5, il me restera que Alexander. On y va? On est parti. De toute façon, t'as pas le choix. Je sens. En fait, je sens. T'as une sauvegarde? Mais non, mais ça marche pas comme ça. Ah, c'est vrai. Donc, bah... On a déjà vu pire que des portes comme ça. On a déjà vu pire que des scénarios attends. Comme ça. Quoi? J'ai vu marquer E. Ah, non. Oui, c'est parce que s'il me disait E au clavier. Mais là, ah, je ok, d'accord. On va aller. Hein. En fait, je sens le pire, genre un QTE. Ou une cinématique qui va faire peur, ou... Je sais pas. Pourras recharger, tout on façon. Y va, en tout cas. Non, je pourrais pas recharger, non. Je pense que c'est la fin du chapitre. Je pense aussi que c'est la fin du jeu. On va retrouver Sébastien. Il va être comme Daniel au début, dans le chapitre 1. Ah, déjà, ça sent pâté. Oh, c'est tout noir. Ouais, grave, y a rien. Oh non, ça y est, vous reconnaissez? Ouais, c'est le moment où Usher était dans le... C'est le moment où Usher, il disparaît quand il fait... Enfin, c'est la fin de l'épisode 3. C'est ça. Quand Usher il fait son truc du miroir ouais, et que ça s'arrête là, ouais. C'est ce couloir là ouais. Où Usher il est dans une des salles à côté. Je me rappelle plus c'était laquelle, c'était la deuxième en partant de la fin. Je sais pas si vous vous souvenez, moi j'avais traversé tout le couloir en entier pour le remonter. Et j'avais vu même le mort là qui m'avait fait super peur. Donc Sébastien il était pas dans celle-là, il était dans celle-là je crois. Je crois. Attends, tu peux écouter. Oui, oui, bah tout. Les miroirs, exactement. Tu regardes safe. C'est hein safe. Moi je dis c'est safe. Ah, oh, bon, c'est d'accord. Fermé. J'ai une map ici. Ouais, j'ai une map. Et quatre portes. Bon, bah, ma mémoire elle n'était pas bonne. Oh, il y en a une qui est fermée là. Elle est celle-ci. C'était pas la première, c'est sûr. Le... À ta droite, on dirait, il y a un passage. Qu'est-ce qu'il fait? Non! Non, 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 non! Oh! T'as vu? Ouais. On est arrivé trop tard. Ah ouais, il s'est fait... Il est tout sec. Il est tout sec. Ouais, lui, il connaît cet endroit-là, en fait. Il était déjà venu là. Mais il est pas mort. Bah non, on a été sauvé, Daniel. Affiché. Ouais, mais je peux pas tout de suite. Ah. T'as mis un gros mot, mais on l'a vu, t'inquiète pas. Ça casse l'ambiance. Ah, ils font chier. Pauvre Usher. On est arrivé trop tard, mais maintenant, il faut que Daniel y s'en sorte. Je ne vois rien de bizarre. Je suis presque étonnée de voir la pièce dans laquelle je suis réellement dans le reflet. Ouais, bah, n'insiste pas. Je sais pas pourquoi. Mais ce qui est marrant, c'est que je suis rentrée dans la pièce, je l'ai pas vu, hein, Usher. Non, parce qu'il est au dos. Usher, il n'a pas survécu. Il doit être mort depuis des jours. C'est tout? Il y a un truc là-haut. Ah non, c'est une bougie. C'est pas un curseur. Pourquoi je peux écouter, j'en viens. On sait jamais. Non, y a pas de bruit. Tu deviens complètement parano dans un jeu comme ça. Oh putain! D'accord. Comment dire? T'as le droit de faire demi-tour? Moi je ferais demi-tour. Moi. Or moi j'ai eu peur sans avoir peur. Parce qu'en fait, j'ai bien vu le couloir d'où on venait dans la scène d'avant, puis tout d'un coup on est là. Et non mais l'autre, non, mais elle, vous voyez l'autre, sa tronche elle est sèche, hein, elle aussi. Hein. Non mais vous voyez sa tronche? Ouais, elle est sèche, ouais. Je veux pas dire, mais il y a un curseur dessus. Hein. Je dois aller cliquer dessus. Hein.
Mais l'infirmière là, parce que c'est une infirmière ça, hein. En fait c'est en train d'introduire l'épisode 5. Ouais, j'ai l'impression. Hein. Parce que ce qu'on sait depuis qu'ils ont mis à jour la fiche, l'épisode 5 ça se passe dans un hôpital psychiatrique. Et donc c'est en train d'introduire l'épisode 5. Et il y a quelqu'un, cette femme là qui était à l'hôpital psychiatrique, on sait pas pourquoi. Oh, attends, t'es obligé de cliquer dessus? Tu peux pas voir l'autre démon. Pièce? Je sais pas, j'ai pas de map, on est ailleurs. J'ai rien, je peux pas aller par là. Il y a Dragon qui arrive. Il y a le chat qui est en train de se réveiller. Je peux lui tourner autour, je peux... Ah, j'ai des notes là, par contre, je peux regarder les notes déjà. Il y a un truc marqué dessus. Agnès, arrête de... Qu'est-ce qui se passe? Ma manette, elle fait nimp. Elle a bougé la souris. Minouche. Ah, c'est Minouche qui est sur la souris, c'est pour ça. C'est le chat qui voulait regarder le journal. Oh, maintenant, je suis en... En mode souris. Non, on va le regarder dans mon inventaire. Examiner. C'est pas ça. Bah, du coup, on l'a loupé. Franchement. On l'a raté, du coup. Super. Raté quoi? Bah, le document. À cause du chat. Cahier perdu, violoniste, notre fille. C'est toujours comme ça, c'est toujours. Et j'en ai pas d'autres, hein. On a, du coup, c'était marqué Agnès, je sais pas quoi. C'est dommage. Bah, j'irai regarder et je vous conseille de faire pareil dans un autre live pour avoir l'histoire. Tout ça à cause du chat, quoi. Ou alors, je l'ai dans mes objets de l'autre côté. C'est ici. D'ailleurs, c'est pas marqué Agnès, c'était Argos. Journal d'Argos le Grand. Donc, Argos le Grand, c'est, je rappelle, c'était le voyageur qui a été justement. C'est lui qui a. C'est le fabricant de la boîte à musique, en fait. C'est lui qui a fabriqué la boîte à musique. Ah, ok. C'est Argos le Grand. Et lui, sa femme et une de ses deux filles sont mortes. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais on a rendu la boîte à musique à sa fille, sa dernière descendante. Ouais, l'autre, exactement. Le chat et une mèche avec l'entité, ouais. Grave. Ah, en plus, il n'y avait rien à lire. Ça me dit qu'il ira plus tard. Réflexion et expérience du créateur de la boîte à musique. Il veut se barrer, tu vois. Il veut se barrer, hein, parce que... Sans que ça sent le pâté. Parce que il veut pas les lire, là. Est-ce que juste d'avoir pris ça, je peux partir? Je peux partir, ouais, maintenant. Alors, t'as le choix, tu peux peut-être cliquer sur eux. Je soumets au vote. Moi, je dis, tu casses-toi. Est-ce que je me casse, ou est-ce que je clique sur les personnages pour avoir de l'histoire? Moi, je cliquerais bien. Moi, je pense que t'es dead si tu fais ça. Bah, alors, je cliquerais peut-être pas sur la morte, mais sur l'infirmière. Non, mais même la fille. À mon avis, c'est des fantômes. Ah, mais c'est pas une infirmière du tout, c'est une petite fille, en fait. Ben oui. C'est leur fille, à mon avis. Ou alors, l'infirmière, c'est la morte. L'infirmière, c'est la morte, ouais. Et ça, c'est la petite fille. Ouais. C'est la dernière survivante. Ah, mais moi, j'y toucherai pas. Ouh là là, ils sont dangereux dans ce jeu. En fait, je vais dire pourquoi moi je cliquerai bien dessus pour avoir de l'histoire. C'est parce que je pense qu'à ce moment-là d'épisode, je peux plus mourir. Ah, non, t'es optimiste, hein. Ça te semble pas. J'ai le sentiment que c'est un peu comme la fin du chapitre 3. C'est une introduction au prochain chapitre. Tu sais quoi, si tu peux partir de la pièce sans que tu cliques dessus, ça veut dire que t'as le choix. Si t'as le choix, c'est qu'il y a une raison. C'est vrai que quand on a le choix, on a le choix. Donc là, si t'as le choix, barre-toi. Si je clique que je meurs et que je dois recommencer tout l'épisode, ça va être triste. Ouais, c'est con. Puis surtout là, arrivé à la fin, quoi, ce serait dommage. Mais t'as vu ce chat? Ouais, squatteuse. Elle demande de l'attention, mais un truc de fou. Shigo, lui, serait tenté de parler, hein. Ah ouais? Donc en gros, entre Shigo et toi, il reste que moi pour choisir. Shigo, il veut payer des cocktails, en fait, je crois. Je vais pas appuyer. Mais vous avez raison. Parce que à partir du moment où t'as le choix... T'as raison. À partir du moment où t'as le choix dans le jeu, ouais, les choix sont... C'est clair. Le jeu t'obligerait à cliquer dessus s'il voulait que... S'il voulait vraiment que je connaisse l'histoire. Voilà. Là, il te laisse là, le choix. Là, c'est un choix. Ça sent pas bon. Et ça pue les choix dans ce jeu. Ouais, carrément. Par contre, t'as visité quand même toute la pièce ou pas? T'es resté sur ce plan alors, fixe là? À gauche, là, je pouvais pas. Shigo, il a pris à payer son cocktail.
La vache, ça va faire cher le cocktail. Je sais pas où il habite, mais... Non, que là. Voilà. Je peux pas plus. Enfin, après, voilà, c'était mon idée. Hein. Je vais pas appuyer, t'as raison. Si j'ai le choix, ça paraît pourri. Belgique, ah ok. Ça va encore. Ouais, c'est sûr, pour un cocktail, ça va être long. C'est quoi ce bordel? De quoi? Eh ben, je veux partir maintenant. Par contre... Oh putain, oh y a... là là. Oh l'enfer. Je vous laisse voir. Ah ouais. Eh mais... Je suis plus au même endroit. Tu sais quoi? Je suis sûr que t'as bien fait de pas avoir cliqué dessus, sur eux. Pourquoi? Ah, tu serais morte. Ou alors, je vais te dire un truc. Je vais rentrer dans une pièce, je vais être dans la même pièce. Ah oui, peut-être. Et j'aurai pas d'autre choix que de cliquer dessus. Et t'auras pas de choix de cliquer dessus au final. Et tant que je clique pas dessus, je retombe dans un couloir sans fin. On va voir. On va voir. Et tu peux sortir par la fenêtre? Je vais regarder. Y'a pas de bruit. Je sors par la fenêtre, je me barre. Une faible lune noire. Il sait pas où il est, en fait. Une qui scintille au loin. Ouais, il sait pas où il est. Je réécoute, dans le doute. Y'a rien du tout. Ah, c'est oh, assez là, étrange. Là, 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 là. Ça, c'est étrange. Y'a rien. Vas-y, fais voir un truc. Attends. Continue pas. Tu te rappelles qu'une fois, quand t'es allé dans un long couloir... Alors, c'est pas moi. C'est une viewer. C'est une streameuse. C'était à l'épisode 2. Elle a eu un couloir infini. Et comme elle a insisté dans le couloir infini, elle est morte. Tu peux pas revenir dans l'autre sens. Mais ce qui m'inquiète pas, c'est que si effectivement faut pas insister dans le couloir infini, il y a du noir qui arrive doucement autour de toi et tu peux reculer. Ouais, enfin à la vitesse des personnages, moi je serais tenté d'aller là, tu vois, ouais, comme tu fais là. Mais c'est de là d'où je viens, celle-ci. Non, c'est pas là d'où il vient. Il a raison, le jeu le plus fourbe du monde. C'est vrai qu'il est, il est rotor. Hein. Il est... Écoute. Ouais, le bruit des autres quand tu marches dessus. Non, regarde pas le miroir. Par contre, tu peux regarder la distance. Peut-être que je suis obligé de regarder le miroir. Non. Je pense que je vais perdre des pédales. Oh putain, ça pue. Ah non, regarde pas le miroir. Oh putain, t'as regardé le miroir. Oh. Ouf. Mon sang s'est glacé. J'ai cru qu'il était mort. Hein. J'ai cru que j'avais perdu. Oh, tu m'écouteras la prochaine fois. Miroir, à mon avis, c'est un avertissement, je pense. Je ne regarde plus le miroir, c'est voilà. Promis. J'ai cru que j'avais perdu. Quand j'ai vu ses yeux se mettre en noir. Mais tu sais quoi, retente-le une autre fois, je pense que t'es vraiment... Non, je ne regarde plus le miroir. Ouais, c'est fini, c'est... promis. Il y a quelque chose derrière. Ouais, bah... Je ne regarde plus le miroir, je promets. J'adore ce bruit. Le bruit des bottines sur les cadavres. Ce jeu de sadique. On va tomber sur quoi maintenant? C'est toujours infini? J'ai l'impression que c'est la fin la plus fourbe que j'ai vue depuis les 4 chapitres. Là, t'es à nouveau dans l'autre sens, c'est ça? Ouais, je sais plus. Mais ce qui est étonnant, c'est que ta caméra ne tourne plus. Je suis pas dans le même sens que tout à l'heure, en fait. Ta caméra, elle tourne plus, t'avais les portes à gauche. Je sais pas où faut aller. C'est fermé, j'ai déjà ouvert celle-ci. Faut que tu continues. Mais j'ai toujours pas de map. Allez. Tu l'as vu. Ça. C'est là où il y a les cadavres? Ouais. Non, j'en ai fait deux portes. Non? Oh, c'est dehors. C'est peut-être les cadavres, mais non, c'est verrouillé. Ouais, j'en ai pas fait. Bien... Il y a plus de croix déjà là. Là, c'est là où il y a les cadavres. Je vérifie dans le. Voilà. Ok, d'accord. Bon, comme ça on peut continuer par là. Putain, ça sent mal, ça sent. Oh, cette caméra qui me. Mais là, j'ai dû rentrer déjà. Ah bah c'est là où il y a les. C'est là où il y a une cinématique. Encore? Oh
Putain, je me sens mal. Allez, dites-moi que c'est la fin, dites-moi qu'il va finir par partir. Ah, t'as trouvé la bonne pièce ? On dirait. Putain, je crois que c'est fini. Je crois que c'est la fin. Oh, t'as... je t'ai dit, heureusement que t'as pas cliqué sur les filles. Sur les filles, je sais pas. Tu sais quoi, on ira regarder un stream de quelqu'un d'autre. Je suis sûr que tu te fais becter. Tant tu parles, elles sont sèches, elles ont pas bouffé depuis des lustres. Je suis assez d'accord que c'est des saloperies de fantômes, quoi. Rayon, c'est long, hein. Là, c'est d'en charger la cinématique. J'ai vraiment des problèmes ce soir. Hein. Vraiment des problèmes avec le jeu. Mais ça va charger, hein. On va avoir... Moi, je suis sûr que là, il y a une cinématique de fin de jeu. Voilà. Ah. Usher est mort ici, piégé. Il a probablement souffert et crié jusqu'à devenir fou en essayant de trouver la sortie. Comme moi. Non, bon, toi, tu l'as bien trouvé, parce que... À part que dans son cas, personne n'est arrivé à temps. En même temps, il a joué, hein. J'imagine qu'il croyait qu'il y avait un moyen d'aller plus vite, comme Farber. J'aurais peut-être fait la même chose à sa place. Tant de morts dans ce jeu. Ce que j'ai vu me faire dans ce miroir, c'était simplement trop. Est-ce que c'est ce qui nous attend ? Peut-être que je le sais déjà, mais j'essaie de me mentir à moi-même. Ouais, tu vois, il est parti, il a réussi à... Peut-être qu'au fond de moi, je sais que c'est un mauvais présage de l'avenir, de ce que l'avenir me réserve. Peut-être que je sais ça, comme tous ceux qui ont eu une affaire à cette boîte maudite. Je finirai aussi par me suicider. Je préférerais me rendre face à la mort plutôt qu'affronter ce qui se cache derrière cette mélodie infernale. Je dois brûler ce truc, faire disparaître cette mélodie de la face de la Terre, mais... Et Ariane D, elle est vivante? Si la boîte est la seule à pouvoir arrêter ça, je ne peux pas la détruire sans en être sûr. Ah, pas traduit. Mon Dieu, je dois me reposer pour bien réfléchir. Il faut que je dorme, j'espère que mes cauchemars ne sont pas aussi horribles que ma vie réelle. Eh ben, je pense que, ouais, en fait, à mon avis, t'aurais parlé aux deux, à la fille ou au fantôme, t'as regardé le miroir, t'aurais cumulé plusieurs choses, il serait devenu vraiment fou et il serait mort. Peut-être qu'il... Je pense que ça, c'est plausible. Oh, c'est intéressant ce qui est là. Il y a une date. Ah bon, c'est marqué. Il y a une date, 13 mars. 13 mars, d'accord. Un mois et demi. Ouais. Donc, je vais réserver le live. Pour le 13 mars. Mais c'était pas mal, hein. Jeu de sadique, une fois de plus. À la fin... Franchement, j'ai cru que j'étais morte. J'étais dégoûtée. Quand j'ai vu les yeux de Daniel virer au noir... Je t'ai dit, regarde pas dans le miroir. Tu regardes dans le miroir. J'ai regretté, mais dans la milliseconde où j'ai vu ses yeux... Et en fait... J'ai eu un effet physique où j'ai mon sang qui s'est glacé. J'ai dit, non, c'est pas possible. Non. Il était pas fou. Enfin, il est pas devenu fou, donc il et, est pas mort. Et par chance, c'était un script, quoi. C'était pour nous faire peur. Ouais, plus que ça. Je pense que t'aurais cumulé plusieurs choses. Tu l'as dit déjà. Ouais. Je crois pas. Mais... Je pense que ça faisait partie de l'histoire, hein, moi. On aurait dû voir ça. S'ils l'ont mis dans la cinématique de fin, c'est que c'était... que tu devais le voir. Avoir d'autres let's play. Avoir d'autres let's play. De gens qui moi, ont... je pense que la fin, dans ce couloir infini-là, en fait, il n'y avait pas un milliard de choix de pièces. Avant de pouvoir trouver la pièce qui me permettait de sortir, je devais forcément passer par cette pièce où il y a le miroir. Et peut-être que si j'avais jamais cliqué dessus, eh ben, j'aurais jamais pu sortir du couloir. Ouais. Et que j'aurais fini par tout essayer, par cliquer dessus. Moi, je pense que si dans la cinématique de fin, Daniel parle du fait qu'il s'est vu dans le miroir en train de se suicider, c'est qu'il fallait cliquer sur ce miroir. À moins qu'il y ait des fins alternatives. À moins qu'il y ait des cinématiques de fin alternatives. Et ça, on le saura en regardant d'autres lives. Maintenant qu'on a fini, on va pouvoir regarder ce qui s'est passé chez les autres. Moi, je pense que tu meurs ou tu meurs pas. Voilà, par exemple, j'ai très hâte de savoir ce qui se passe quand on prend la grenade sur le cadavre du militaire. Ouais. Mais je suis sûre que personne ne va l'avoir fait. Comme il dit, hein, tu la fous dans le seau, tu la jettes dans le puits. Non, mais tu as l'explose sur le cou, c'est obligé. Et ben voilà. Voilà. Donc, prochain épisode le 13 mars. Donc ça, c'est pas du spoil, hein, c'est annoncé clairement sur la page Steam de l'épisode 5. Ça aura lieu dans un hôpital psychiatrique. Ah bon ? Ouais.
Et qu'est-ce que ça vient faire là, l'hôpital psychiatrique? Salut démon. Du coup, on ne sait pas ce que vient faire l'hôpital psychiatrique là-dedans, mais il y a une petite... propriétaire de la boîte à musique a fini là-bas. On est un peu en train de se dire que ça se trouve, tout est lié à Ariane D. À cette petite fille qui est aujourd'hui une grand-mère, ouais, à qui appartient cette boîte à musique, et qui, finalement, comment elle fait pour être encore vivante, cette fille? Ah, je sais pas. Avec cette boîte à musique, comment elle fait pour être encore vivante? Après toutes ces années. J'ai un côté... C'est comme si elle, c'était la seule capable de résister à l'entité. Elle est un peu malsaine, non? Ou alors c'est elle, l'entité. Non, elle est trop fraîche. Ah, elle n'est pas fraîche, la vieille. Elle n'est pas encore assez sèche. Mais elle n'est peut-être pas encore assez sèche, ouais. Et ben voilà, en tout cas, c'est la fin d'épisode, presque minuit, c'est pas mal. Il aura été un petit peu plus long que les autres. Ouais. Je suis d'accord avec Shigo, hein, la vieille Ariane D est très bizarre. Je sais pas si vous vous souvenez. Elle cache quelque chose. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est comme si qu'elle parlait à quelqu'un qu'on voyait pas. Ouais. C'est comme si à chaque fois elle parlait à quelqu'un mais qu'on ne voyait pas. Bon, en même temps, elle a entrouvert la porte. Ouais, peut-être qu'il y avait quelqu'un derrière elle. Quelqu'un derrière la porte. L'entité. Non, mais je sais pas, un autre individu. Mais qui? Il n'y a pas d'autres intervenants dans l'histoire. Ils sont tous morts, en fait. Ouais, ils sont tous morts. Bon, bah en tout cas, Alexander, encore ce grand héros. Ouais, il est encore vivant. Alexander, encore vivant. Donc, en toute logique, on devrait le récupérer dans l'épisode 5. Avec sûrement des nouveaux personnages, on ne sait pas encore qui. Ça sera la grande découverte. Le plus fort, Alexander. Ah, imaginez, on termine le jeu complet, c'est-à-dire l'épisode 5, avec Alexander. Ça serait beau quand même, hein. Ça serait une belle histoire. Ça serait une belle histoire à vivre. À mon avis, je pense que tu dois avoir un succès, Steve. Finir avec un perso. Alexander, il n'était pas là à l'épisode 3. Hein. Ils nous ont retiré d'office. Donc, Ouais, mais il est vivant au 4, donc il est vivant depuis le départ. Il peut faire partie des Avengers. Quand t'as commencé l'épisode 4, d'ailleurs, parce que moi j'ai très peu vu. Il avait toujours sa petite bouteille de vodka. Ouais, j'ai bu un coup au début de sa partie, Alexander. Tu bois combien de coups? Un seul. Un seul coup? Ouais, mais je pense que ça doit tenir tout le temps que tu l'utilises. Ah ouais? Ouais, je pense. Et ça fait quoi? Ça le calme. Ça le calme? Ouais, il doit rester plus calme. Ouais. Et je suis convaincue que les persos qui s'énervent, enfin qui ont très vite peur, ils attirent beaucoup l'entité aussi. Je suis convaincue qu'il y a un truc comme ça. Ça le transforme en mode... Ça attire l'entité, la peur. J'en suis sûre. Bon, et ben voilà. On va en rester là pour ce soir. Très contente d'avoir fait cet épisode 4. Ambiance très glauque. Très très glauque. J'ai pas encore eu quand même le même ressenti que dans le premier épisode. Parce que j'ai pas vu de fantômes de gamins courir et tout ça. Mais quand même, sur tous les épisodes, c'était le lieu avec l'ambiance la plus glauque. Super épisode, très sympa à jouer. Ouais. Vivement le mois de mars pour conclure cette histoire. Faudrait que je regarde. Et savoir d'où vient cette mélodie maudite. Elle vient de maintenant on sait un peu plus, elle vient de... C'était quoi la ville? Byzance. Ça venait de Byzance. Oh là, je sais pas. Donc c'est une mélodie qui vient du passé, quoi. Vous aviez peut-être pas vu, mais dans l'épisode de l'université, l'épisode 3, on avait trouvé un papier qui parlait que de l'entité qui représentait le sombre et le noir chez les anciens Égyptiens. Donc ça donne un peu le sentiment qu'ils veulent mettre en place une histoire comme quoi c'est une entité qui remonte du fin fond des temps, en fait. D'accord. Du fin fond de l'histoire humaine, voilà. En tout cas, on saura peut-être d'où elle vient au prochain épisode. Et t'aimes bien cet épisode, du coup, au final? Ouais, j'ai beaucoup aimé. Et celui que t'as préféré, c'est le 1. Mais question flip, ça reste le 1 qui m'a fait le plus flipper. Et ensuite, après le 1. Celui-ci, le 4. Ah, t'as bien aimé le 4. Ouais, le 4 m'a... Qui est beaucoup plus long, j'ai l'impression, quand même. Hein. Un peu plus long, je pense qu'il y a une heure de jeu en plus. Ça t'a fait combien de temps, là, de... Je sais pas, d'ailleurs... En tout, 5 heures de stream? Il y a d'ailleurs 6 heures de jeu, en tout. Alors d'habitude, on avait plutôt 5. Sachant que je suis quelqu'un qui prend son temps, hein, sur ce jeu. Ouais. Et puis qu'on a mis une heure à faire l'énigme de l'écarteur, là. Le maudit écarteur. Ah ouais, l'énigme où j'ai... Tu t'es endormi, ouais. J'ai failli m'endormir, tu rigoles. Bon, allez, on va arrêter là. Shigo, merci de m'avoir suivi. Ceux qui ont suivi, merci d'avoir suivi.
Et puis, bah, rendez-vous cette semaine pour d'autres aventures sur d'autres jeux. Voilà, j'ai programmé la suite quand même de Journey to the Savage Planet parce que j'ai beaucoup aimé ce jeu et que j'ai envie de continuer cette semaine. Voilà. Allez, salut Figo, bientôt. Allez, bonne nuit, bon courage pour la semaine qui commence. Bye. Hop. Faut que je récupère ma souris, qu'est-ce que je suis au chat. Tu peux y arriver.